J'espère qu'il y a du monde. J'espère aussi. Vous me dites encore une fois si ça bug, si quelque chose, si saucisson. Pourquoi il y a un trou dans le plafond? Et l'autre, elle est encore à poil. Comme d'habitude. Il y a un trou dans le plafond. Attends, je suis pas d'accord là. What the fuck? What the fuck, le trou? Non, mais en fait, ouais, ils sont les deux à poil, quoi. Ouais! Le monde à poil! Allez! Oh, tant pis, il y aura un trou dans le plafond, j'ai la flemme de le corriger. Tout va bien. Les gens, vous êtes là. Je crois qu'il n'y a personne, en fait, c'est mort. C'est des vacances, il n'y a plus personne. En plus, il y a plein de gens qui font des lives, alors laisse tomber. Il y a le foot en plus bientôt, voilà. Le foot? Oui, tu ne connais pas ce mot. C'est ça. Pourquoi il y a un match de foot ce soir? Oui. Merde. Ouais, Bah. Bon, bah, on sera toutes les deux en amoureuse et l'entière, écoute. génial. Un let's play, voilà. Non, mais c'est vrai en plus là, hein. Non? Je sais Je crois que pas, si. c'est à toi de me dire s'il y a du monde. Je vois pas encore les vues, mais il y a personne qui parle donc. Attends. Il y a du monde! Ce gros moment de solitude! Bah attends, en plus je suis conne, je peux voir la liste des gens. Bah oui, c'est pour ça. Ah, si. Mais si! Ils sont trois à nous regarder, ils parlent pas! Va parler. Et Julie, tu es spotée. La meuf. Petit oiseau aussi, et coin coin. Non mais coin coin en Bienvenue fait. en tout cas. Merci à vous d'être là. Comment ça, la Vous avez le solitude? droit de parler, hein, n'ayez pas peur. On J'avais le droit de parler. est un peu folle, mais c'est pas une raison, hein. Bon. Sérieux. Un échec critique. Ah, puis La moi je plante encore. solitude. Bon bah c'est pas grave, on va jouer hein. On va pas Tant pis pour vous, hein. pleurer. Alors, du coup, On avait fait quoi? on se retrouve. Bah, j'allais faire un petit résumé, je me souviens plus, mais drôle. Le Cougar Challenge. Donc notre but c'est d'avoir plein de thunes. Donc vous pouvez constater qu'on en a déjà beaucoup, puisqu'en fait j'ai remarqué, je voulais un petit peu améliorer la maison, mais en fait je l'ai pas fait parce que bref. Fou. Dans l'inventaire familial, j'avais tous les objets de la maison de Nancy et Geoffrey et Malcolm, du coup. Donc j'ai tout revendu. Et Julie qui a dit mince, je pensais passer inaperçu. Raté! N'hésitez pas à parler avec nous, ça nous fait plaisir et on se sent un peu moins seul. C'est quand même fait pour ça, un live. Hein. Coucou, coin, coin! Ah, mais coin coin faisait pipi, voilà. Rien de le dire, bref. Du coup, qu'est-ce que je racontais? Donc oui, notre but, bah, c'est d'avoir de l'argent. Sauf que pour avoir de l'argent, on doit se marier avec des gens. Et si on veut récupérer leur argent, il faut qu'on ait un enfant avec ces personnes. Voilà le truc bien bordélique. Et ensuite, comme du coup la famille n'est pas extensible, il faut soit tuer nos amants, soit les laisser enfermés. Et du coup, nous on va les tuer parce que. C'est plus de rigolo. Parce qu'on n'a pas le choix, surtout. Alors, on avait eu un enfant avec Don, qui est mort. Un enfant avec. Oh, c'est à qui ce gosse? C'est le gosse de C'est qui? plus. Alors oui, on vous explique, ça fait 3 semaines, donc on sait plus qui est qui avec qui, enfin voilà. Ah non, c'est lui le gosse de Don. D'accord. Donc, le gosse de Don est un petit blond. Bah, alors, ça c'est.
Putain, c'est un adopté. J'ai rien noté en Ah plus. oui, un adopté, c'est vrai. Il y en a deux qui sont adoptés. La petite noire, elle est adoptée aussi. Comment elle s'appelle? Aliena. Voilà, c'était la fille de l'alien, là, Léa, je Ah crois. oui. Ça, c'est qui? Lila. D'accord, c'est la fille de Johnny Zest. Je me souviens même plus qui avait Il y ce a mec-là. Coin-Coin qui dit ça fait zizir. Ça fait Arrêtez cette zizir. expression. Ah bah alors le petit adopté Lino là, ça doit être notre enfant entre guillemets avec Nancy. Voilà, ça va être ça. Du coup, on devait péchoter qui maintenant? On devait pécho Geoffrey. Ah. Et ensuite on se garde Malcolm pour plus tard vu qu'il est encore ado ce petit con. Donc Nancy, tu vas aller gentiment. Oh là, je suis partie dans le noir. Mais je crois que Malcolm allait bientôt devenir adulte. Je sais plus. Je Attends. crois. En tout cas, il y a Julie qui dit le bazar de l'arbre généalogique. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein. Laisse tomber. Non, il devient. Ah bah, il est déjà jeune adulte. Ok, bah, on pourra le pécho très. Ouais, voilà, c'est ça. Dans quelques instants. On va déjà pécho Geoffrey. Et du coup, on l'a pécho Geoffrey ou pas? Elle est enceinte ou pas, elle? Mais je sais plus du tout, on en est, c'est atroce. Oh, oh my god, c'est Boobs! Non mais je les ai pas fait aussi gros quand Je me je l'ai souviens pris. même plus. Non mais attends, regarde la taille des Boobs! Oh my god! Ah, il y a le coin-coin qui dit, Loupi, je crois que tu as mal mis l'écran de Sims. Il y a une barre noire en bas pour moi. Ah merde! Ah, c'est vrai qu'il y a une petite barre noire. Exact. Parce que je peux pas faire. Genre... Ah, c'est bon là, normalement. Vous allez me dire. Moi, je le vois bien déjà. Ça faisait un gros plan sur les boobs de Chantal, c'est magnifique. Génial. C'est génial. Bon, machine, va t'enfermer. Mais quoi, de quoi qu'elle y va pas là? Oh, viens ici. Viens ici, sale bête. Au pied. C'est Super. l'anniversaire de Lila. D'accord. Bah, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Bon, il y a Julie qui dit que c'est nickel, là, comme ça, maintenant. Ah, cool, parfait. Si on vous entendait bien, vous voyez bien, normalement ça devrait être bon. Donc, Nancy va dormir et nous enquiquine pas. Geoffrey, on va aller copuler le Geoffrey. Allez, c'est parti. Si on et du coup, on l'avait pas encore fait. Bah non, elle n'est pas enceinte là, elle vient d'avoir Lila. Et Lila, c'est la fille de Johnny qui Il y a trop de gosses, on sait plus qui. Non mais je crois C'est horrible. qu'après tout ça, après comment il s'appelle? Après Johnny, n'importe quoi. Après Malcolm et Geoffrey, on va faire une petite pause. Hein, parce que Vaut mieux, ouais. on va s'occuper des gosses parce que là il y a trop de monde. Coin-coin, elle dit que oui, on entend bien, etc. Elle te dit ma petite biquette en plus. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Bon, alors lui, il est très triste parce que sa femme a rompu. Bah oui, normal. Non, mais les boobs que t'as, ma pauvre Chantal. Bon. Qu'à faire. Alors, compliment déprimant. Pendant mariage. Oh, mais il est triste, mais il nous emmerde, lui. Tu veux pas se marier? Il veut pas. Oh! Attends, il y a des murs Ça partout. commence déjà bien, hein? Je m'y retrouve pas. C'est pas possible. Je sais plus jouer aux Sims. Bon, je sais déjà mieux jouer que ton copain, Elancy. Ah, le C'est pauvre. sûr. Le pauvre. Heureusement que tu te prends pas autant de vent, hein, parce que sinon t'arriverais jamais. Ah là, je me suis pris. J'ai recommencé le 100 bébés challenge, je me suis pris 6 râteaux. Voilà. En un épisode. Bah comme mon Ah! copain. Ça y est, ça copule. Voilà, je préfère. Alors maintenant, vous allez venir faire un petit bébé. Plus Allez, vite c'est que ça. parti là. Ah merde, on Bougez-vous est. là. Ah mais on peut pas! Oh, On est 8! pourquoi? On est 8 déjà. 2, 4, 6, 8. Voilà! Mais faut le code là. Non! Ah, c'est l'anniversaire de Lila, on va pouvoir la faire grandir. Alors, on va faire Du coup, ça. faut en faire crever, comment ça se passe? Bah, faut que Nancy meure en fait. Bon, bah Nancy va crever. C'est bon, laisse tomber. Geoffrey va travailler, fait quelque chose.
La Nancy, vous voulez la faire crever rapidement, je suppose. Bah, je l'ai enfermée en bas. Soit Elle dans la meurt de faim. piscine, soit, je sais pas. Elle est affamée, elle meurt dans 17 heures. Bien. Alors, Lila, que vas-tu être? Enfant social, turburant, oui, bien sûr. Décidez, le caractère de Lila. Allez-y. Allez-y, décidez ses traits et son inspiration, voilà. Voilà, et je bug, c'est ouf. Je bug dans ma tête. Ça fait 3 fois que je clique sur le truc alors qu'il est déjà Alors, il y a ouvert. déjà quoi? Il y a turbulent, Turbulent, petit social. génie artistique, un prodige artistique et enfant très social. Salut Camille Sims! Coucou Camille, bien vu, bien viendu. Bien, bien, bien. Attends, je vais boire un coup. Alors, vous voulez quoi? Alors, il y a Camille Sims qui dit joyeuse et très sociable. Bon, et ben allons-y pour ça. C'est parti, on t'écoute. Hop, et très sourcil. Et voilà, voyons voir sa tronche. Oh my god! Mais tu es moche! La Faut que je vois pauvre! ça. Non, ben c'est un garçon manqué, c'est pas grave. C'est la petite blague? Mais non, la petite blague, c'est celle qu'on avait adoptée. C'est celle-là, Ah. la petite blonde. On pourrait confondre avec son frère. Non, mais je crois que son frère était moche d'ailleurs. Paul, je crois qu'il était moche. Oui, ouais. Le pauvre Bon, Paul. t'auras des gosses moches, voilà. Ouf, le pauvre Paul qui avait rien demandé, tu sais. Bon, Geoffrey, tu veux pas aller bosser? Rapporte-nous de l'argent, Geoffrey. Fais Oh, quelque du chose. fric. Alors, il Sert à doit. quelque chose. Attends, il doit faire des interactions amicales. Eh, mais je lag dans ma tête là. Ah oui, Camille dit qu'avant son pseudo c'était une Sim 7. Elle a dit donc je l'ai Ah. changé, vous devez vous rappeler de moi. Ah bah Bah oui. oui. Oui, totalement. Voilà, attends, sois gentil avec ta meuf là. En tout cas, salut aux 5 personnes qui sont là. N'hésitez pas à parler dans le chat avec nous, Bienvenue les enfants. à nous dire ce qu'on peut faire avec les Sims, etc. N'hésitez pas. Ah bon. Oh, mais il aura jamais de promotion, il est trop nul. Ça, Le pauvre il mec. sert à rien. Non, mais je crois que Je pense, ouais, on va le tuer. on peut pas le tuer tout de suite, il faut qu'on ait un enfant. Bon, on va avoir un gosse, on va le tuer. Il faut que Nancy elle meure. Dépêche-toi de mourir, Nancy. Mais il est quelle heure là? T'as les 5 heures du mat, tout le monde est levé, c'est n'importe quoi. Tout déréglé en fait, ouais. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Bon, toi, fais la vaisselle. Alors il y a Camille qui dit super salope. Allez, On va pas remettre super salope quand même. c'est reparti. Oh, Là. comment ça délète le lien. Mais c'est What? gentil quand même, coin Ah, coin. mais t'inquiète, coin coin, je vais le faire Le si travail tu veux. d'Elantia. Oui. Allez, bosse, feignasse. Allez, ça. Oh la Je plaisante. salope. Ma pauvre. Ah, mais à la fin, elle. Mais attends, déjà, tu vas faire un petit footing parce que t'as grosse. Ça doit expliquer cette taille de boobs là, c'est pas possible. Là La bise. J'aurais pas à le faire moi. Faudrait. Comment ça s'appelle? Il faudrait Birdie, mais elle est pas là. méchant. Bon, elle fait la vaisselle. Ah, mais tout le monde est levé là, ça y est, c'est la fête au village. Toi, t'es adulte maintenant. Bah, tu vas trouver un emploi, mon petit bonhomme, et plus vite que ça. Tu serves à quelque chose. Oh, il est vénère en plus. Il est vénère, le Malcolm. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a envie de faire pipi. Il a fait un pissou, petit caribou. Depuis 2016. Alors, non, mais au lieu de prendre sa douche, là, va faire pipi, c'est bon, t'es propre. Ah! Est-ce qu'ils ont fait leur leçon? Oh, mais je sais plus où j'en suis, mais c'est. Il y a trop de choses. Tu veux que Y a trop d'infos. je vienne Oui, je veux bien. t'aider à jouer? Ah non, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Enfin, j'ai pas joué dans cette partie. Oh, ils sont mignons, ils se font un câlin. Oh, Magnon. les petits choubichous. Bon, et elle est encore en train de faire dodo. Mais lève-toi, ma jolie. Bois son Alors, il y lit. a quoi un coin qui dit c'est moi ou ils sont tout nus, tout nus?
Oui, ils sont tout nus, tout nus. J'ai un mode pour enlever les carrés. Voilà, Coin-Coin va être intéressé, je pense. Mais c'est des poupées Barbie, c'est pas grave. Elle va vouloir le mode aussi, j'en suis sûre, la Coin-Coin. Et quand quoi, on voudrait aussi le mode où on voit les tétons et tout ça. Ça m'étonnerait pas. La cochonne. Mais qu'est-ce qui est Cochonou. fait? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Elle dit que t'es une coquine. C'est toi la coquille. Elle dit non, 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 non. NDR. Ouais, c'est ça, ouais. Mytho, coin-coin. Elle fait sa prude là devant tout le monde, hein, mais en vrai, Merde, je voulais voilà. filmer le chat et j'ai oublié de commencer à filmer. Bon, bah tant pis. Mais tant pis, il n'y aura pas de chat dans cette rediff. C'est pas grave. C'est pas grave, Elantia fait bien son boulot, donc c'est pas grave. Oh, ils sont mignons en train de tous manger ensemble. C'est beau. C'est beau, la famille. Super la famille. Ouais, bon, on choisit pas ça. Oh, oh putain, tu fais peur, gamin. Regarde sa tête. Ino, tu fais très peur. Il a une tête genre, je vais te bouffer. Oh. Oh mon Dieu. Ah, c'est bon, ils vont en cours, là. Allez, toi aussi, va en cours. Ah, Oula, c'est vrai lui, il est... qu'il fait flipper. Ah, tu dis... Il fait flipper. Mais oui, t'as vu. Oh putain. Bon, vas-y, va jouer aux jeux vidéo, toi, parce que t'as l'air trop énervé et j'aime pas ça. Attends. On peut le pécho. Ça y est? Malcolm, on va pouvoir le pécho, ouais. Allez, péchote Malcolm. Elle sera une vraie mifle, hein. Elle est adulte et lui, jeune adulte, à peine sorti de l'adolescence. Hein. Bon, Parfait. Germaine, tu vas en cours. Oula, par contre, niveau divertissement, il était dans le rouge, hein. Ouais, bah, c'est pour ça que je vais leur faire faire crac crac. Ça va les occuper. Ils vont en cours, ceux-là, ou... Ils vont pas en cours. Pourquoi Il y ils a vont pas en Camille cours? Sims qui dit son regard ténébreux est effrayant. M'étonne. Ah non, elle, c'est normal qu'elle n'aille pas en cours, elle vient de grandir. Là. Pendant ce temps-là, maman, elle va jouer avec grand frère. Hein. Ah non, c'est Grand glauque. frère, c'est horrible. Non, bah avec papa. Voilà. Ah, en vrai, c'est plus grand frère, hein, t'as raison. Surtout que techniquement, vu Oui. qu'elle a pécho les parents de Malcolm, c'est sa belle-mère, quoi. C'est Non, pas du tout. dégueulasse. Tout va bien. Pécho la mère, le père, le fils. Toute la Voilà. famille. Allez hop, c'est parti, réunion de famille. Allez, boum. Comme ça reste en famille. Voilà, c'est ça. Bon, C'est ça mieux en marche ou pas? famille. Allez, pêche. C'est l'entier, j'arrête pas de te couper. Ah, t'inquiète. Je suis plus habituée non plus à faire des lives. Là, non, mais partez 2 semaines et vous savez plus rien faire, hein. Ah! Il mord à l'hameçon. Il y a Camille qui dit inceste, attention. Non, non, mais c'est trop ça. Et coin coin dit tout va bien, Ber quoi, Bertie n'a rien. C'est qui Bertie? Je sais pas. C'est qui? Oula! Lettre d'amour. Paul prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'il aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur. C'est un mot, forme de cœur sur lequel est écrit T'es trop mignon. Rien d'autre. Oh, c'est Magnon. Il croit qu'il pourrait s'agir de la nouvelle élève qu'il observe très souvent. Doit-il lui poser des questions ou attendre la suite des événements? Tout. C'est Magnon. Ouais. Vous c'est un troll. Est-ce qu'on va voir l'élève Qu'est-ce ou qu'on fait? est-ce qu'on attend? Dans un film, c'est une réplique et le mec. Moi, franchement, j'y serais allée, mais dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait là? À votre avis, c'est un fake ou pas? On attend ou pas? Ou on Moi, va j'irais qu'on y voir. va, hein. On tente, hein. C'était Ruru.
C'est pas possible. Ce sont des enfants, Rudolf. Tu te calmes. Garde-la dans le collimateur. Oh Là, je baise là. non. Allez les gens, qu'est-ce qu'on met? Dites-nous. Attends, parce qu'avec le décalage, on a le temps de se faire les ongles. Oh, il y a Camille qui dit qu'il faut attendre. Attendre, c'est C'est fake. un fake. Bon bah alors, on attend. On attend, au pire. Alors, moi je décide d'attendre la suite des événements, bien sûr, pendant le déjeuner, des amis lui rient et lui font à lui rit et lui font signe. Et tu sais que t'es mignon, toi, lance l'un d'eux. Paul sort le mot, leur lance dessus et rit avec eux. Un jour, cela arrivera pour de vrai, mais il est soulagé que ce ne soit pas aujourd'hui. D'accord? Oh, je Eh suis ben, t'avais déçue. raison, Camille. Hein. Ouais, je suis trop déçue, moi. Mais qu'est-ce. Oh, Mais mais qu'attends, mais oui. c'est tous n'importe quoi, là, ils vivent leur vie. Oh! Tiens, C'est la fête. Malcolm, va ranger, salut. Mais franchement, elle est trop douée, elle, pour pécho. Direct, tu vois, il accepte tout, le Ah bah oui, non mais là c'est bon, il est enjôleur et tout. gars. Il est chaud patate. Il faut que ta Sim se donne des cours à mon copain, hein, parce que. Niveau drague, c'est pas ça. Ah Hein. putain. Le pauvre. Pris tellement de râteaux. Bon, on va l'aider un petit peu. Est-ce que vous pouvez aller copuler éventuellement? Ce serait pas mal. Mais J'ai qu'est-ce des qu'elle gosses. fait, elle? Non, mais elle va pas voir Nancy, mais n'importe quoi. Non, mais elle fait ce qu'elle veut, là, ça m'énerve. Scrogneugneu! Elle se rebelle. Le gosse. Bon, offre-lui une rose au petit, là. La cougar fait grève. Quoi, ça? Allez, Zouzou, elle a pris du cul un peu aussi. Non, mais elle a grossi, et de grossesse, ça l'a pas arrangée, hein. Des Et encore, il bouts. n'y en a que deux, hein. Deux ou trois, je suis même. Ouais, voilà. Peu importe. Oh, pardon. Deux. Deux petits. Je te dis pas au bout de 10, hein. Au bout de 10, à bouboule, tu pousses, te rouilles, mais bon. Bon, bien sûr, on n'a rien contre les gros, hein. C'est juste pour la blague. Dans d'autres Elle lui offre parties. une rose, c'est mignon. Bah oui. Non. Et voilà, le premier baiser. Allez, maintenant on le pécho. Vite, pécho. Hey, c'est Michel Blaireau. Je vais te pécho. Ah putain. Bon. Allez, zou. Ah mais l'autre c'est parti bosser, c'est bien. Alors tu vas travailler dur. Et toi, tu meurs bientôt? Dans 10 heures. 10 heures, elle meurt. Je crois que t'as dit un truc que Coin Coin ne connaissait pas. Je ne connaissais pas celle-là. De quoi? Je sais pas. Michel Coin Coin, tu Blaireau? connaissais pas quoi? Michel Blaireau, c'est une chanson. C'est une parodie de la chanson Délissa, c'est un vieux truc. Ouais. Donc c'est pose-toi, pose-toi, assieds-toi sur mon matelas. C'est de la merde. Voilà, donc du coup, tu vas devoir la chanter entière. Je la connais même pas entière. Oh, Oh, regardez! Elle dépucelle c'est dégueu. Malcolm! Oh, c'est vrai! Non. Ah bah elle a de l'expérience au moins. Oh Ce sera pas non. pourri. Oh mon C'est Dieu. horrible. Oh mon Dieu. C'est d'un chic. Grave, c'est ça. Il y a Camille qui dit, écoute, cher cougar, ton but est de faire des mouflets et par la suite de faire tuer ton donateur de spermatozoïdes. C'est ça. C'est ça, ouais, t'as raison. Totalement ça. Ma petite, tu vas aller danser. Bon, c'est bon là ou quoi là? Plus vite. Ah ouais, mais Nancy, elle n'est pas décidée à mourir. Camille, copulation en cours, chargement. Elle est mignonne, elle a des jolis yeux. Bon, là, on voit pas parce qu'elle n'arrête pas de bouger, mais. N'y a pas de son de jeu, en fait, je suis en train de dire. Ouais, en Je vais fait. en mettre.
Je l'enlève moi quand je joue et c'est vrai que j'oublie de le remettre. Sérieux, tu joues sans son? Ah ouais, ça me saoule. C'est bizarre. Bah, en fait, c'est parce que je suis toujours en train de regarder un film ou autre chose et du coup. Ah, d'accord. Bon app, Camille! Bon appétit! Voilà. Il y en a un petit peu normalement. Et si, s'il n'y en a pas assez, vous me dites et je mets plus fort. Oh, mais il va se calmer, lui, Malcolm. C'est bon, là, ça y est, il est totalement amoureux, Malcolm. Pourquoi elle a fait quoi? Il lui a fait un petit bisou gratos. On n'a plus besoin de toi, dégage. Ah non, on a encore besoin de lui pour le moment, mais. Oui, pour la bouffe et pour la paye. T'es horrible. Ah Tiens, va emmerder le vieux là dehors. bah aussi, coin coin aussi, le son l'énerve. Surtout le son change toutes les 2 secondes avec les humeurs. Oui, c'est ça. Oh, mais c'était mignon, bisous. Oui, il est complètement accro. Regarde, il la suit. Oh. Que j'aime tes fesses. Oh non. Que j'aime tes fesses. Doudoudou, Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais tu m'énerves. Va D'accord nager, à tiens. toute Julie. Bisous, Julie. Quand je regarde des vidéos, ça me déconcentre. Oui. Dans les vidéos, ça va, mais enfin, je sais pas. Moi, ça me saoule en fait. Le son du jeu. Et après, c'est un peu un automatisme. Tout ce que je fais, j'enlève le son pour avoir. Bref, on s'en On s'en bat les couilles. C'est bon? Non, mais il est parti, le vieux. Le vieux revient ici, il faut qu'on le fasse chier. Tu voulais en faire quoi? Mais Malcolm doit faire des interactions malicieuses pour avoir une promotion. Ah. Sachant qu'on va l'avoir un moment, vaut mieux qu'il ait des promos, ce petit con. Il bosse dans quoi, lui? Je lui ai mis la carrière criminelle. Ça irait bien. Bon, elle meurt bientôt, elle. 7 heures. On a le temps de crever. Ah, mais c'est loin. Hein. Allez, papy, là. Alors, et toi, qu'est-ce que tu. Ben, tu devrais entretenir ta silhouette, ma vieille. Va faire un petit fou. 2, 3, 4. Bah, coin, coin, saigne du nez. Ah, bravo! Ma pauvre. Ah, les gosses sont rentrés. Bon. Alors, attends, parce que il doit y avoir la. Comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. C'est cool. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, l'autonomie. Donc, on l'enlève parce que ça m'énerve. C'est chiant quand ils font des trucs qu'on Ouais. nous écoute pas. T'écoutes pas. C'est trop ça. Bon, allez, hop, toi tu fais tes devoirs. Toi tu fais tes devoirs. Quoi? Tu les as déjà fait. Bon, toi aussi tu les fais. Alors, les notes sont en hausse. B, B, B. C'est bien. On a deux qui ont B. Ah, il y a Birdie qui va arriver. Ah. Bon, on range ça. Ils en ont foutu partout. Sale gosse. Sale gosse. Et elle fait son petit footing. Oh, mais les gros ballons qu'elle a, quoi. Ben Non, mais j'en reviens pas, attends, j'avais au moins oublié. ça sert à quelque chose, hein. À ton avis, pourquoi direct ils sont à fond? Ouais, bon, ça va être pour ça, ouais. Ah, décolleté. Je crois qu'on n'avait pas dragué un noir roux aussi. Mais si, je me souviens. Attends, il doit être dans les contacts. Ah ouais, bonne idée. Faudra Oh, qu'on le le bébé que pécho. ça va faire. On le pécho trap. Mais imagine le bébé que ça ferait. Beau. À moitié blond, black, roux. Pourquoi pas? Bon, c'est bon, t'as fait tout ce qu'il fallait. Putain, il faut encore qu'il en fasse des interactions. Hep, 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 toi là. Petit, petit.
Allez, cours pour ta cellulite, toi. Allez, vive, c'était gratuit. Bah attends, allez, commence à se faire vieille, la petite, hein. Bah ouais. Elle a une potion de jeunesse, donc ça va. Oh, il y en a un qui est déprimé. Oh my god, je crois qu'il est moche. Ah non, mais c'est moustachu, il est trop mignon. D'accord. Il s'appelle comment? Florent. Pas bah, Florent, t'as pas été gâté, hein. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est bon, Malcolm a fini. Ouf! Je tenais un coup dans mon bureau. Il y a coin-coin qui est rue. Rue coin-coin. Alors, c'est le bazar là-dedans. Faut qu'il aille bosser. Vite, va bosser! Va bosser! Dépêche-toi! Amène-nous de la thune! Voilà. On veut de l'argent! On n'en a jamais assez! Elle est dégueulasse. Qui? Chantal. Chantal. Elle est pleine de boue, là. Bref, c'est pas grave. Alors, du coup, petit. Faites du travail supplémentaire. Comme ça, vous aurez plus vite un A et vous dégagerez plus vite. C'est trop horrible. C'est trop horrible. Tiens, toi, tu vas dormir là maintenant. Là où il n'y a que trois places. Hop. Toi, tu vas manger et garder un truc, puis prendre une douche. Toi, et Chantal est toujours en train de courir. La pauvre, elle est dégueulasse. Bah écoute. Peut-être qu'elle draguera quand même avec ça, elle attirera peut-être des gens. Attends, il y a le noir roux qui est juste là. Oh bah tiens. Il l'a su. En parlant du loup. Oula, c'est quoi ça? Éreinté. Oula, on va peut-être se calmer du coup. De quoi éreinté? Elle est éreintée. Je vais peut-être... Je vais peut-être la faire arrêter de courir, j'ai pas envie qu'elle nous claque entre les pattes. Oh, imagine. Oh non! Il a cassé les toilettes! Sale gosse! Sale gosse! Et il peut pas réparer, j'imagine. Ah non, c'est un enfant. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Bon. Mais va prendre un bain, débile! Mais rentre chez toi! Mais c'est pas possible, cette meuf, elle se fout de ma gueule. Oh. Allez, zou! Ah, Geoffrey est rentré, bon sang. Alors, videur récalcitrant, une affaire importante doit être conclue à l'arrière du club ce soir. La mission de Malcolm est de faire diversion et de détourner l'attention des patrons. Malheureusement, ce stupide vigile ne le laisse pas entrer. Doit-il porter un déguisement et se faufiler à l'intérieur ou provoquer une bagarre de rue? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Réfléchissez, je bois! Alors, alors, on met un déguisement ou on fait une bagarre? Je dis que les deux, ça pue, mais... Oh, le déguisement, c'est marrant. On fait quoi? Ouais, imagine le mec qui se déguise en gros lapin. Le truc a rien à voir. En super salope. Oh, super. Aïe, aïe, aïe. Tu t'arranges pas, toi. Hein. Bon. Donc, on se déguise, Elantia? Allez, c'est parti. Alors, ça marche. Ah, tu as un coin du déguisement. Alors, de manière assez pathétique, Malcolm tente de se faire passer tente de faire passer un sac poubelle et un couvercle de poubelle. Ah, ça a bougé. Pour le top de la mode avant-garde. Okay.
Cela dit, il attire tellement l'attention. Ah, oh, mais ça a encore bougé. Il attire tellement l'attention en tant que journaliste de mode que personne ne se préoccupe de ce qu'il se passe à l'arrière. Bien. Ben voilà, ça a marché. Tu vois, c'était pas si bête. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut se déguiser en sac poubelle, voilà. Super. Allez, Geoffrey, va jouer à Vive les Sims parce que là, ça s'arrange pas. Ah, c'est bon, elle prend un bain. Putain. Oh, les obus qu'elle a, je te jure. Tu t'en Pas remets m'en pas. remettre. Non, je vais pas m'en remettre. Ah, putain, il y a un téléphone qui sonne, là, ça m'énerve. Oh, le téléphone, non. Pas le carnet que je voulais ouvrir. Voilà. Ah, mais c'est Nancy, mais on s'en fout. Alors, ah, très affamé, Ça y est, enfin! très mal à l'aise, et dans 2 heures. Dans 2 heures, elle meurt. Ah oui, on l'a vraiment à poil en fait. Hein. Il n'y a plus de carré, quoi. Hop, il ira manger. Oula! Non, pas non. On devrait tous commencer, tu sais. Génial. Chantal, tu vas manger. De toute façon, elle est enfermée en bas, donc. Quoi ça? Chercher des jouets jetés? Mais tu vas pas fouiller dans les poubelles! Qui veut Mais faire ça? n'importe quoi! C'est Paul qui veut faire ça! Oh là là. What the fuck? Y a pas assez de jouets là? Alors que non. Non mais faudrait que je leur refasse leur chambre parce que c'est vrai que c'est Ouais. petit. Avec leur kit, le kit Ouais. Le kit des gosses. Mais je pense que je vais faire ça après le live. Ça d'ailleurs, on ne devait pas tester l'add-on restaurant. Comment ça? On devait tester le nouveau kit au restaurant là. Je me Genre souviens. aller au resto avec quelqu'un? Ouais. Ben, faut attendre que ces deux-là meurent du coup. Allez, crevez. On ira manger à votre. Veux qu'on aille qu'on fasse un rancard avec le black? Allez, le Black Roux. Ouais. Allez. D'accord. Bah, elle vient de bouffer donc ça va être un peu. À la limite demain, enfin dans le jeu, hein. Ouais. Ah, ça. Oula! Ça y est, elle est morte! Oui. Yes! Une de moins. En plus, la musique, elle m'a fait trop peur, genre. Tadaaaar! Oh my god. Au revoir, Nancy! Merde, est-ce Une qu'on a pris une de photo d'elle? moins. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière fois, il y a une pièce, un endroit spécial dans la maison, il y a toutes les photos des victimes. Ah oui, c'est bon. Ah. Oui, donc en fait, je m'amuse à les prendre en photo. Qu'on prenne une photo de Geoffrey maintenant. Allez, Geoffrey, viens faire viens une petite ici. photo. Viens C'est horrible. là, mon petit. Le suivant sur la liste. Ensuite, du coup, on va copuler. Et voilà. Coucou Lola XD. Bienvenue Lola. Elle Adieu dit adieu Nancy. Nancy. Au revoir Nancy. On t'aimait bien, tu sais. Ou pas. Je crois qu'elle était un peu casse-couille. Non, ça allait en fait. Elle était plus fidèle que son mari au final. Voilà donc. Oh my god, cette tronche Geoffrey. Je vois, attends. Tu vois, il est en mode. Pourtant, il est pas si mal en vrai. Ah non, en fait. Il est beau. Lol. Bon, bah, du coup, il y a une petite urne ici pour la demoiselle. Ah, c'est vrai qu'il est pas terrible. Il est moche, Avec ouais. sa petite moustache bien dégueulasse. La moustache au chocolat.
Il y a Julie qui dit, fais gaffe que son fantôme ne hante pas la maison. Non, Bah, t'inquiète pas. coin coin, elle dit sexy. Et Lola dit, Geoffrey, non mais mets-toi à poil pour la photo. La blague. On n'a pas envie de mourir non plus, hein? On a vu assez d'horreur pendant la guerre. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, ensuite, tu vas faire un bébé avec Geoffrey maintenant. Va être horrible, le gosse. Ah oui, bah écoute. Alors, il Choisis était mieux. pas, hein. Il était mieux, ouais, non, Et lui. Demander de vaporiser le monstre sous le lit. Non, mais c'est bon, va dormir, ah, nous mais oui, fais pas c'est vrai qu'il y chier. a des monstres sous les lits maintenant. Ouais. Ah, mais lui aussi. On peut les voir? Oui, on peut, mais bah, du coup, j'ai pas dû voir le. Allez, va dormir, qu'est-ce qu'il a? A peur du monstre. Oh, ça va nous faire chier, ça, je peux te le dire. C'est bon, on va te coucher, on s'en bat les couilles du monstre. Ça se trouve, tu pourras pas tant qu'on Ah! pourra. Mais c'est horrible! Mais c'est gentil, c'est comme dans Monstres et compagnie. Ouais, c'est un peu glauque, hein. J'attends de voir. Ah, mais tu vois, ça fait vraiment genre. Salut, tentacule de hentai. Je te jure. Ah, vas-y, bébé. Je vois. C'est Ah, trop c'est bon. bizarre. Elle va vaporiser le monstre. On dirait une pieuvre, je sais pas quoi. C'est glauque, hein? Ouais. Oh, elle l'a tué. Alors, il y a Lola qui dit, et les madames, vous pouvez libérer l'esprit des tombes, car sinon vous avez les fantômes qui vous hantent. Ah oui, pas faux. Mais C'est bon. ils viennent pas forcément, en fait. Après, c'est rigolo quand ils viennent, hein. Ouais. On dit, ah, t'as vu, Et... je t'ai tué. Et il y a Coin Coin qui dit, what MDR? Elle est choquée. Voilà, un poulpe. Un poulpe. Oui, non, mais c'est ça, hein. Poulpe du... Putain, mais deux lits de mer. On pourrait les mettre dans un aquarium, mais bon. Dommage. Oh, Malcolm, va vaporiser sous le lit. Oh, c'est sérieux, faut faire ça. Ah oui, je la vois. Elle met du produit à vivre. Putain, c'est super décalé. C'est nappe. Elle met du produit à vitre. Alors, si vous avez des monstres chez vous, mettez du produit à vitre. Arrêtez de paniquer pour un truc là, c'est chiant. Oh, Lola, t'es sérieuse? J'ai failli manger ma clé USB. What Mais va pas ici, elle est en train de faire crac crac avec machin. Comment t'as fait? Oh, c'est chiant là. Toi, va faire le bébé avec Geoffrey, nous fais pas chier. Ils font rien de ce que je fais à cause de ce foutu monstre de merde. De ce que je veux, pardon. Allez, vas-y, va vaporiser, toi. Mais ma gueule, il va dormir. Putain, les gosses, ils veulent pas dormir à cause de ça. C'est chiant là, par contre. Salut Lilou! Coucou Lilou, bienvenue. Bienvenue dans ma Comment galère. vas-tu? Oh, mais il y a des monstres dans tous les lits en fait, c'est une blague! Mais ouais, non, mais c'est relou. Genre Ah, c'est la vraiment. mio! Peut-être Et à qu'on peut cause de ça, les gamins désactiver, ils paniquent et ils veulent pas aller se coucher. hein! Eh, mais c'est vraiment la merde! C'est naze. Peut-être on peut désactiver, hein! Crois pas. Alors, il y a Lilou qui dit, achète la loupiote koala! Ça va enlever le monstre du lit? Est-ce que ça va enlever le monstre du lit? Parfait d'espion. Eh ben, on va bien, Lilou. Voilà, donc on continue notre Cougar Challenge. Et donc, n'hésite pas à parler dans le chat, à nous proposer des choses à faire, etc. Koala. Y a Lola qui dit, appelez Monsieur Propor. What? Celui-là. C'est quoi ça? Ah, c'est ça la lampe koala. Ah, c'est une veilleuse. Oui, ça aide pour les monstres? C'est Ah, je sûr. pense. Je pense que ce serait logique, ouais. Et bah voilà, ils vont arrêter de nous faire chier, ces Un petit peu connards. débile quand même. Ouais, bah c'est des gosses, quoi. Non, La mais que violence. une loupiote fasse partir les monstres du lit. Cool. Ça, ils vont enfin dormir, ils vont arrêter de nous faire chier. Sérieux, il est 2 h du mat, ils sont toujours pas couchés. Purée, c'est incroyable. Oh, ça veut dire que même quand on est doué, enfin pas doué, mais
quand on arrive à peu près à tenir le truc, il y en a un qui nous enquiquille. Ah, elle s'est trompée, Lola. Elle voulait dire appeler Monsieur Propre pour le produit cheat cheat. Malcolm va te coucher, j'espère que toi t'as pas peur des monstres du lit parce que là on n'est pas rendu. Ah voilà, Est-ce qu'ils Lilou a sont dit, copus? faut Mais laisser la loupiote allumée. Miracle, plus de monstres. qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais sors de là, espèce de tête de cul. Mais pourquoi il est là? Mais what the fuck? Mais what? Mais pourquoi il est là? Qu'est-ce Peut-être un vieux bug. Encore? Ah, ça faisait longtemps. Non mais j'en ai marre. J'en ai marre, ce live part en couille, y a rien qui va. Allez, allez faire crac crac et nous faites pas chier. Allez! Il y va ou comment ça se passe? Il y va pas. Il veut pas. Il se fout de ma Il gueule. écoute pas. Geoffrey, tu te fous de moi! On dirait des petits Pikachu sur la lampe. Ouais. Un peu. Magnon. Allez ici. Voilà. Gnez, hein. Crevé en plus, laisse tomber. Allez ici et faites ce foutu bébé. Eh mais quand c'est pas les gosses avec leurs monstres, c'est les parents qui veulent pas copuler. Non mais franchement. Ils ont peur aussi, voyons. Ah oui, non mais je sais pas de quoi ils ont peur, mais là c'est pénible. Hein. Ils ont peur de la queue du poulpe. Et les toilettes qui sont encore cassées, mais c'est pas possible. Il y en a marre. Hein. Bon, allez là! Voilà, bon. Ah oui, il est dans la prison, le gars. Oui, non, mais faut pas chercher, hein. Darmol. Toi, répare les En toilettes. fait, il veut se suicider, c'est ça, hein. Ça va être ça. Il veut échapper. Faire un test de grossesse. Oh! Le crac-crac, c'était nul! Mauvaise performance. Oh my god, il y a un fantôme de l'alien! Sérieux, il écrit ça? Mauvaise Ouais. performance? Ouais. Oh! Comment ça se fait? Oh non! Elle est pas enceinte! Alors en plus Ben d'être voilà. nulle au pieu, il est stérile! Non. Aïe aïe aïe! Ah mais les toilettes sont dégueulasses, mais toute cette maison part en couille. Y a Lola qui chante, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais T'es t'es pas où? là, mais t'es où? Bon. Vous copulez ou comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font les Allez! gens là? Ils veulent pas. Oh mais ils m'énervent ces Sims là, qu'est-ce qu'ils font? Ouh, sauf ce que je demande. Oh, il est très mal à l'aise. Allez, on se dépêche là. Chantal va faire le test. Que je sache si je peux tuer Geoffrey ou non. Allez, zou! Alors? Elle y est toujours pas. Oh, mais c'est une blague. Il peut plus faire d'enfant, quoi. Allez, bah, je sais Il est pas, on va les stérile. faire copuler en masse. Imagine, il est stérile. Non, ils peuvent pas être stériles. Bah si, avec la nouvelle mise à jour, là, tu sais. Oui, mais Oui, faut modifier, je pense. voilà. Allez, là. Non, c'est parce qu'elle est plus âgée, c'est pour ça. Bon, les gosses sont partis à l'école. Allez, hop. En chienne là, on fait trois fois, quatre fois. Allez! Oh non, elle s'est évanouie cette morue. Oh, il me saoule. Il me saoule, ces Sims! Faites ce que je Sérieux? dis! Ah, ça m'énerve ce jeu! Ils ne veulent pas. Voilà. Et lui, il va pas à l'école. Salut, on s'en fout. Et go! Va à l'école, sale gosse! Ils vont Bon, bah la tous mal là. copulation n'a pas fonctionné. Voilà, c'est un échec total. Elle est toujours pas enceinte! Non, mais c'est une blague. Il y a un bug, c'est pas Et possible. l'autre, il part au travail. Ah, vous savez quoi? On va essayer avec Malcolm, parce que ça se trouve. Ouais, mais Oui, non. Lola, il y a même une performance pour copuler. Ou alors on adopte un gosse. Non, t'as pas le droit, faut faire un enfant. Bah, Geoffrey va pas au travail et puis vient faire un bébé, bon sang. Par contre, si ça marche pas, c'est qu'il y a un bug. Sais pas, mais là, la maison est dégueulasse, laisse tomber. C'est Il y a du vomi partout, il y a des trucs sales, il y a de l'eau, il y a.
C'est quand qu'il n'y a plus de femmes de ménage? Y en a. Ah bah voilà! On va en embaucher. Parce que là... Allez! Non, parce que là, c'est trop le bordel, hein. À moins que ce soit les gosses qui nettoient tout, hein. Mais pourquoi il va pas à l'école ce petit là? Bah, fais le ménage, allez. Non mais il est bugué le gosse. Va pisser. Pourquoi tu peux pas y aller? Viens ici. Mais what the f... Ça me gonfle. Le jeu est buggé. Voilà. Non mais c'est ça, le jeu est complètement bugué en fait. Ah donc maintenant on va faire pipi. Et Après le feu qui ne s'arrête plus. ah, le feu Le c'est poste. normal, mais là voilà, et maintenant tu vas à l'école. Putain, t'as raté toute l'école quoi. Ah, le gosse. Allez, non mais c'est bon, te lave pas les mains, on s'en bat les... Ça me gonfle, ça me gonfle. Chantal, je suppose que t'es toujours pas enceinte. Ils ont pas fait. Oh non, mais c'est une blague. Non mais c'est... Non mais ils me trollent en fait. Ils veulent pas Mais faire elle comme est où? ça Elle est l'est. passée où? Pas creux. Ils se rebellent. Ça. Quoi? Fais ce foutu bébé. On s'en fout du patron. Non, on s'en fout, j'ai dit. Allez, fais ce bébé. Il y a Lola qui dit va faire caca, monsieur, il va au primaire. Ça. Ah non, mais ça m'énerve là. Rien ne marche. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je fous Vraiment les pas gueules. de bol quand même. Mais c'est parce que plus ils sont âgés, plus c'est dur en fait. De leur Bah faire c'est faire la des gosses. merde. Et vu que Geoffrey est bientôt. Regarde, c'est bientôt une personne âgée dans 4 jours. Hein. Oh! Faut se dépêcher. Ouais, Chantal, elle est plus toute fraîche non plus. Il y a Lola qui dit Geoffrey ne peut plus avoir d'enfant parce qu'il est trop vieux, je crois. Allez hop, à la cave, Geoffrey. Fallait Oh, pas nous allez, faire à la chier. cave, le papy. Fallait pas nous faire chier. Alors, au bout de combien de fois t'as réussi? Putain, Quatre fois? mais au moins 4 ou 5 fois là, à chaque fois. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Vas-y, va dans ton lit. Va en bas, va dormir. Il est très enjôleur maintenant, mais c'est trop tard, grand-père. Hein. Le gars, il arrive après la guerre. Ah, ça y est, c'est tout dur, Josette! Il a trouvé ses médocs. J'ai trouvé le caviar. Oh mon Dieu. Bon, eh ben c'est pas tout ça, mais je pense qu'il est temps de faire du ménage, donc. Ma petite Chantal. Malcolm, mon vieux, si tu fais rien, tu vas nettoyer les toilettes parce que c'est infernal. Ah, il y a Lola qui dit il y a de l'eau dans le gaz. Et il y a Camille qui dit re les choucrouloutes. Aïe aïe aïe, c'est bon, j'ai réussi, c'est bon. Fou! Enfin, Ah au non bout de cinq mais fois. le troll là. Déjà que c'était nul, hein. Voilà. Déjà que c'était... vas manger, et toi aussi tu vas manger. Hop, voilà. Bon, on est quand même à 300 000 simflouzes, hein, ça va. Franchement, on est large. On a le temps de d'éduquer les gosses avant de trouver une nouvelle victime. Bon, lui ça va, il nettoie les toilettes. C'est gentil. Ça va, on y arrive, on reprend un peu contenance. Ah là 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 là. Par contre, elle a les Y a crêpes. Camille qui t'écrit Loupina avec plein de cœur. Oh, c'est mignon. Et il y a Lola qui veut qu'on aille au restaurant. Tout Oui, seul. le restaurant, oui. D'abord, on va l'envoyer se coucher et ensuite on va au restaurant. On va faire ça. On va peut-être manger un tout petit truc avant. Allez, mange un petit truc. Au lit. Voilà, en tête à tête avec Malcolm. Magnifique. Tu vas avoir un petit frère, Malcolm. Non, c'est dégueu. Et les gosses sont rentrés. Youpi! Et Camille qui dit Chantal est enceinte de Jojo. Ouais. Jojo. Je Hop. Quoi, mon petit. Ah, et Camille qui propose de copuler avec le serveur. Oh. Pour essayer de draguer, ouais. Bah, sauf si on va au resto avec quelqu'un déjà. Putain, la baignoire est cassée, la chaîne Wi-Fi est cassée.
Oh là là. Et c'est le... Dans les Sims 4, j'ai l'impression que quand un truc casse, tout casse en même temps. sais pas, mais ça, c'est chiant. D'accord, Lola. Et si. Oui, chocolat. D'accord. Si tu veux. Non mais fais pas la sieste ici, il va te coucher. Oh. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, et Malcolm alors, comment tu vas? Malcolm, faut que tu serves à quelque chose, alors tu vas réparer tout ça. Hop. Pardon, les enfants. Alors le son. Faire pipi, Malcolm, au lieu de te dandiner. Il est bête. Il fait rien. Il sert à rien. C'est ça. Voilà. Vite. Une douche. Enfin, un bain plutôt. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour te divertir? Il y a Lola qui dit appelez Carglass. Carglass répare, Carglass Carglass remplace. remplace. Carglouche. Mais ça aussi c'est cassé! Voilà, oui, non, mais faut vraiment appeler Carglass là Ah non mais là c'est plus Carglass là, c'est fait. la banque là. La banque, n'importe quoi, l'assurance. Une musique d'ambiance, moi je sais pas, et puis va danser maintenant, allez. Quelque chose. Pourquoi il est heureux lui? Ah, il est heureux parce que c'est bien décoré, d'accord. L'imbécile heureux, tu sais. C'est ça. Les enfants, par contre, ils... Voilà, c'est... Toute façon, au point où on Oh, en est. mais les vieilles cassées Non, maintenant! Oh, mais j'en peux plus de cette maison non, mais là, pourrie, ça là! bug, stop. Non, mais c'est chiant! Dégage l'évier. Hop. Où est cassé, quoi? Non, mais allô, quoi! Mais je fais ça. Genre, il y a un gamin avec un chapeau de papy. Un béret, ça s'appelle. Oui, ben, ça c'est un peu papy, hein. Voilà. Très papy, tout ça! Bon, toi, tu vas aller te laver. Les enfants, ça se passe comment? Oh putain, il n'y a plus rien à manger. Bon, bah, un goûter. Malcolm, bouge. Engage un traiteur, voilà. Allez, hop. Le mec va venir vous faire à manger. Tu... On La dirait du meuf qui a nouveau. la flemme. Attends, la mère, elle dort. Allez, faites du travail supplémentaire. Hop. C'est quoi ça? Chips. Ah, mange tes chips. Mange les chips. Oh là là, ça va pas du tout, ma pauvre. Les chips, ensuite, tu regarderas la télé parce que... Ça ne va pas du tout. Il y a Camille qui dit chapeau de papy, langage et l'ancien, et béret, langage loupignien. C'est ça. Elle est blasée. Bah oui, tu mets. Qui? Aliena. En même temps, la famille de merde. Allez, ça c'est fait. Boum. Au moins, la maison est jolie. Ouais. Déjà ça. Oh, et puis un traiteur, ça va. Hein. Oui, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Alors, hop, tu vas manger. Aussi. Ok, le gamin il fait ses devoirs sur la table. Enfin, il est en train de là. Il y a un bug, on voit pas le cahier et du coup, on a l'impression qu'il écrit sur la table. Je vois pas encore. Oh, Le pardon. bug. Non, mais Et c'est la bon. meuf, elle joue avec les couteaux, tranquille. Ah ouais. Écrit sur une table vitrée. Tout va bien.
Ça va. Tu auras juste à manger en... un pissou. Regardez la chaîne. Pas d'autre à manger. L'ultime boca de pou. Il y a Lola qui dit blasé comme jamais. Blasé comme jamais. Ça range pas. Hop, ça fait un petit. Ah, ben voilà. Le divertissement remonte pas du tout. C'est quoi ce bug encore? La poule. Eh, mais c'est. Veuillez cette partie! Ça n'arrête pas! À chaque fois, t'es parti, je trouve. C'est pas possible, on est pas prêts d'aller au resto à Street. J'avoue. Merde, j'ai même pas mis de resto dans le. D'ailleurs, si l'un de vous dans le chat ou même toi, Lantia, avait fait un resto et qui veut qu'on le mette pour aller jouer dedans, n'hésitez pas. Bonne idée. Je sais pas si c'était clair, mais. Si vous voulez que. Ouais, faire un resto et le donner à Lupina pour qu'on y aille. Ah ouais, carrément. Pour être sympa. Ouais, très bien. Bon, toi. Je vais aller faire pipi. Le lit qui est de traviole. Aller dormir. Quoi? Va dormir, mon pauvre petit. Quoi, pipi au lit. Du coup, il n'y a plus de bêtes hein, sous le lit. Hein. Bah, je crois pas. Ça a pas l'air. Ah non, mais je te jure, non. C'est trop chiant. Allez, bougez votre cul, on va aller au resto. Bon. Ah, je vais gérer les mondes. Passer un restaurant. Alors, il y a Lola qui dit prends le resto de Wong Wei. Ben, on va voir ça. Origin idée X Wong Wei. Merci. Alors. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a de spécial, Lola, ce resto? En tout cas, merci aussi personnes qui sont là. Ça merci fait plaisir. Alors. X. Ouais, ouais. Un restaurant. Ouh, il n'est pas écrit. Et Coin-Coin qui dit re, désolé, je prenais l'apéro. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Y a pas de restaurant. Ah. T'as mis X. Ouais, t'as mis bien en plus. Attends, je vais voir. Même le premier truc là. Ah, si, c'est bon, il y a du contenu perso. De... Ah. J'espère qu'il n'y a pas trop de contenu perso parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse y aller. On verra bien. J'ai pas regardé combien. Ah, s'il fallait. Ah, c'est ça! Ah, il est joli! Plutôt pas mal, ouais. Allez, c'est parti! Oui, Lola dit qu'il est trop beau. On va voir ça. Alors Camille dit, je suis blasée, je m'appelle Aliena, ma maman est quelqu'un qui fait des choses bizarres dans sa chambre avec des messieurs et des madames de l'âge de mon frère Malcolm qui a aussi participé. Elle m'a dit que son boulot de faire des choses secrètes et ses gens travaillent pour maman. Il y a Lola qui dit d'insérer des CC. Oui bah du coup c'est bon, je l'ai fait avec le décollage.
C'est bien résumé la vie d'Aliéna, hein, la Oui, pauvre. la pauvre. Pauvre gosse. Bon, bah du coup, on va. Oh là, ils sont tous mal à l'aise. Mais ah oui, donc toutes les actions que j'ai fait, ils s'en foutent en fait. Oh non! Ah oui, non, il y a un souci, on peut pas aller. On peut pas aller au restaurant tout de suite. Parce que sinon, Geoffrey va aller mieux, en fait. C'est pas grave. Alors déjà, là, il est sorti de sa cellule. Ah merde! Et il risque d'être re dans le vert si on... Sinon, c'est pas grave, on le tuera après, hein. Ouais, on le foutra. Allez, Voilà, on ça se ira casse, plus là. vite. Les gosses, ils vont... Bah, on va aller au restaurant. Let's go. On y va avec quelqu'un en particulier ou toute seule? Dites-nous, avec qui on y va? Est-ce que Voilà, vous voulez qu'on y a... aille avec le roux black? Le roux Ou... black, C'est Jonathan. un beau gosse. Ou avec quelqu'un Ou... qu'on ne connaît pas, comme ça. Voilà, dites-nous. Plus ample connaissance. Ou avec un Sims d'Edouard. Je sais pas si tu l'as en ami. J'ai deux ailes au cul. Oh non, Je mais... l'avais pris. Elle l'a oublié. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer des Sims, hein. Je vais pas regarder s'il y en avait. Mais... Oh, pardon. 4 Sims. D'accord. Quatre. Ouais, bah écoute. On va prendre cette tête-là. Il y a Camille qui dit, mais maman ne veut pas dire pourquoi chaque jour la faucheuse passe dire bonjour à maman. Avec Vladou. Merde, je l'ai pas pris, Vladou. Vladou! Aïe, aïe, aïe. Et n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, moi aussi. En mode gros sac. Alors c'est génial, il y en a deux qui ont envie de pisser, il y en a une qui a trop la dalle. Oh, il est pas mal ce resto. Arrivé du mauvais côté, mais... Ça commence bien. Quoi? Lancia, devine qui est l'hôte du restaurant? Non, c'est qui? Attends. Tu viens de l'en d'en parler. Non, c'est pas juste. Alors en fait, ce gars-là, c'est Edouard qui a fait, sauf qu'il est pas censé être à poil, alors je ne comprends pas. Bienvenue Juliette. Salut Juliette. Putain, mais la honte quoi. Mais c'est quoi ce bordel? La honte. Oh, il est tout seul? Oui. Enfin non, il y a deux serveuses qui viennent d'arriver, mais what the fuck. Oh, mais il est à poil! Il est pas mal ce... Oh, c'est trop beau ça. De quoi? Ah, il est pas mal de Zelotti en fait. Le resto est pas mal ça. Le resto, ouais, il est pas mal. Putain, non mais... Un petit peu trop Mais j'en tard. parle 5 minutes avant, tu sais. Bon, on va en profiter pour draguer. Mais ok, tout le monde se casse. What the fuck? Bah, je pue les mecs! What? Ils sont barrés? Ils sont tous partis Mais il est quelle de heure? la table! Ah, ils avaient peut-être envie de pisser, j'en sais rien. Bon, écoute, moi je vais commander, hein. Se rattrape Oh, Non le mais, c'est vent! la honte là. Ouh. Et là, on écrit dans les commentaires: Boule le vent, Chantal! Ouh. Et on met des émoticônes qui se foutent de sa gueule! C'est trop ça. La pauvre. La pauvre. Alors, on va prendre le jus de Cupidon. Voilà, il y a Juliette qui dit: je crois Non, mais que c'est trop ça, hein. On va prendre le même plat pour tout le monde parce que déjà c'est moi qui paye et ça me saoule. Saumon pour tout. Voilà. Hop. Allez, go. les petits cocktails. Ah.
le même bâton. Oh, je rends à l'autre. Voilà Juliette, un bonhomme qui se fout de sa gueule, parfait. On continue. Attends, je cherche des rigolos. Ah là là. C'est le restaurant, c'est quelle tristesse. Quelle tristesse. Ah c'est bon, ils reviennent. Ils étaient partis faire pipi. Ah bah heureusement. Je crois qu'ils sont là dans l'entrée, mais ils ont pas l'air de vouloir revenir ce soir. Hein. Non, on veut pas venir. Ah c'est bon. Alors, faut être gentil. Elle est toute seule la peau. Ils ont tous envie de pisser là. Parce que le deux ailes au cul, il la veut, c'est pour ça. Quand tu smiles, il en tient, on dirait Alex. Dommage qu'il n'est pas là. Alexis et Oda Silva. Dites-nous dans le chat si vous voulez que Chantal aille un petit peu draguer J'ai deux ailes au cul. Le gars qui était à poil à l'entrée avec les cheveux bleus là. Là j'essaye d'être sympa. Si on commence à en draguer un, ils vont tous être génères. Camille dit aux mains, ça veut dire la serveuse est habillée. Ouais, la cochonne. Et il y a Juliette qui a mis un émoticône chat. Et elle a mis j'ai trouvé ton chat, le pina. Oh non, le mien est plus beau. Hein. Et on dirait qu'il a pas de poils. Pourquoi elle pleure? Qui ça? Et il y a Chantal qui pleure. Oh my! What? 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 Le serveur est en caleçon. Ah bah tiens Camille, tu vas être contente. Qui est ta mère? Non mais tout le monde est à poil dans ce restaurant, c'est dingue. C'est trop ça, laisse-toi. Va faire pipi toi. Allez. Non mais va faire pipi tout de suite. Il y a Juliette qui a mis une émoticône horrible. Ou comment leur enfant va ressembler à ça avec j'ai deux ailes au cul. Il sera peut-être très beau. Hein. Oh putain. Il y a Lola qui demande si elle est drôle. Qui est drôle? Lola. Drôle. Oui, tu es drôle. Oui. Elle va manger maintenant. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. Il y a Camille qui a réagi. Le. Le putain, le cœur. Mais oui. Oh putain. Ah non, non, mais what the fuck, quoi. Applegenza. Merci. Ribbit. Pomeray. N'importe quoi. Et je crois qu'on peut se casser sans payer. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas faire payer les autres qui payent? C'est pas... C'est énorme. Genre si je me casse, là, on va essayer pour voir. Genre je me casse... Mais va parler à j'ai deux Elok. Ah oui non merde. Attends. Où ce con il est là. Tu peux pas genre lui demander de d'offrir. Non mais attends, c'est trop tard, elle rentre chez elle. Oh non. Non, elle revient. Ah oui. Ça s'en va. Ça revient. Non 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 non. Allez, vas-y, drague-le. Oh my god, mais qui. Oh mon dieu. Oh my god. Ouh. Chéri, dis-moi oui. Vas-y, on va lui filer notre numéro de téléphone. Ouh. Il y a Lola qui dit le caleçon le plus beau. Mais il s'est Camille... complètement dragué. Oh, ça m'étonne pas. Camille Sims, la serveuse est pieds nus. Oui, tout va bien. Oui, oui, j'ai vu aussi. Oh non, mais. Restons dans la dèche. Ouais, c'est bourrelet dans le dos, c'est horrible. Mais c'est pas grave, il a le droit d'avoir des bourrelets. Oui, c'est mignon, les bourrelets. Ça fait un poussin le soir. Exactement. Non, ça, c'est des seins, Elantia. C'est pas mais, il se laisse totalement conquérir. Hein. Oh, bah, attends, c'est les Sims d'Edouard, tu crois quoi? Conquérir, ça se dit, je suis pas sûre. Hein. Conquérir?
Ah ouais. Je sais pas. Si vous savez mieux parler français que nous, dites-le. Hein. Le premier baiser, ça c'est fait. Bon, et cette fois on rentre. Et du coup, si on rentre, c'est les autres qui paient. Ah ouais. J'en sais rien en fait. Hein. On verra. Et il y a Juliette qui dit, qui chante c'est fait de tout petit rien, ça se chante et ça se danse. Non, ça, non, ça se danse comme une chanson populaire. Non, 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 non. Ah, et ça revient. Ça revient. C'est fait de tout petit rien, bref. On chante toujours des trucs. Non, c'était le dernier épisode de soirée karaoké. Là. Alors, si vous étiez là la dernière fois. Non, nous allons pas faire ça là. Ah bah c'est bon, on a même pas payé quoi. Ah si. Non. Alors ça dit, hé, vous êtes payé, vous êtes parti sans payer votre addition. Nous l'avons donc facturé. Oh non. Faites attention la prochaine fois. Zut. On a dragué, j'ai deux ailes au cul pour rien quoi. Il y a Juliette qui dit et qu'il a autant de seins que Chantal. Bouh! La violence! Il y a Lola qui dit ça fait un muffin avec des bourrelets. Oh, vous êtes hard quand même! Mais c'est bon les muffins! C'est bon! Bon bah Geoffrey. Non bah non, Geoffrey, j'avais dit que t'irais dans la piscine. Ah oui. On va dans la piscine. Enfin, la piscine. Et on ferme sans stresser. Allez, va crever, toi. Tu fais chier. T'es pas doué. Et tu sais pas faire des gosses. Voilà. J'avoue. Et t'as une moustache moche. En 4 essais. Tu sers à rien. Du coup, Chantal. Malcolm, tu souhaites bien faire. Ranger. Hop, voyez, ranger la maison un peu là. Serve à quelque chose, mon vieux. Oula, coin coin dit je re, j'ai un grave problème. Ah, que ça allait. Juliette, on ne peut plus faire ça, elle dit, et après tu dragues la faucheuse. On ne peut plus la draguer, la faucheuse, oui. Dans les Sims. On peut plus, c'est nul. Alors ils mettent les monstres sous les lits, mais on peut plus draguer la faucheuse. On peut la draguer, mais c'est très long et on peut pas faire crac crac, on peut pas faire de gosse. C'est nul. Oui. Enfin, en même temps, c'est nul, mais c'est plus long. Ah, c'était rigolo quand même. C'est bien. Oh non, et j'arrête pas de bailler, ça me saoule. Yes, oui, désolé. Allez, nettoie tout là! Esclave! C'est ça! Oh le pauvre! Après, on va te pécho! Ouais, après, on le pécho et ensuite on se. Ici, toi! Oui, allez. Juliette! Juliette dit mince, les monstres sous le lit! Oui, il y a des monstres sous le lit avec le nouveau kit! Avec une nouvelle mage en fait! Il y a un monstre sous le lit des enfants! Enfin, les enfants voient un monstre sous leur lit! Et du coup, ils n'arrivent pas à dormir et c'est chiant. Et du coup, il faut mettre des petites loupiottes spéciales pour pas qu'il y en ait, sinon il faut mettre du pchit sous le lit. Voilà. Donc voilà. En plus d'appeler Monsieur Propre, après il faut appeler Carglass parce que tout se casse. Faut appeler tout le monde. C'est le live de la Dèche. Oh, il y a j'ai deux ailes au cul qui viennent. Il a poil. Non, il a habillé cette fois. Oh putain. N'importe quoi. Merde, faut aller au travail, non? Oh, c'est le téléphone. Ah non, c'est Oul qui doit aller au travail. Ah ouais. Et bref, mon petit Geoffrey. Geoffrey, Malcolm. Pareil, tout. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire vu que tout est rangé là, c'est bon. Il y a rien qui est cassé, j'espère. Ah parce que là, on va les records.
Elle est partie se coucher où, cette conne? D'accord, Sérieux? donc toi, tu dors sur le banc devant chez toi. Et sérieuse? En mode clocharde. La meuf, elle a un beau lit et non. En Elle même va temps, les sur draps le doivent être assez usés à force. banc. C'est d'un Bravo. chic. Bravo. D'un chic. C'est d'un chic. Oula. Alors, ah, il y a Juliette qui dit, il est enfin habillé. Oui. Lola dit, la faucheuse est immortelle. Et Camille dit, moi je dis que Charlotte aux fraises, c'est un dessin animé. D'où ça parle de Charlotte aux fraises encore? La faute est dans le ciel. Non, c'est pas moi. Je D'ailleurs, suis un je ne sais dessin pas animé. si vous êtes abonné à la chaîne des Lantières, mais dès qu'elle a 100 abonnés, elle nous fait une tarte aux fraises. Et où elle fait sa tarte aux fraises, hein. Vous vous Arrête, abonnez. je suis à 96 en plus. Faut dire aux gens de s'abonner, là. Demandez à votre grand-mère, à votre chien, enfin. Faites en sorte qu'elle ait 100 abonnés. Je suis pas dans la Mais merde. je veux la voir faire sa tarte aux fraises, moi. Pas sûr que j'y arrive, hein. Bah justement. Je te l'enverrai par la poste, tu sais, ça va être la merde. Une petite part par la poste, tant que ça arrive, ça sera bien dégueu. Ça aura coulé de partout. J'ai chié dans mon leggings. Quoi? D'accord, tout va très bien. Bah, va te laver. Ok, Lola. Oh non, il y a Juliette qui met OK, plus un abo. Youpi, envoie ta chaîne, elle est ancienne. Mais non, c'est sérieux. Mais oui, c'est sérieux. Il est temps que tu aies 100 abos et que Non, tu. mais sinon, c'est pas grave, hein, je suis pas pressée d'en faire une. Non, mais nous, on est pressés, nous. Alors, Camille qui dit pour les anorexiques, on leur donne envie de bouffer des gâteaux avec les noms des personnages. Quels noms des personnages? Ah, Charlotte aux Charlotte aux fraises? fraises! Pas sûr que les anorexiques aient envie de bouffer, du coup. Je sais pas. Qu'est-ce cette maladie? Oh. Bon, bref, c'est pas très joyeux comme sujet. On va passer à autre chose. Ah, il y a Lola qui dit qu'elle a 149 abonnés. Eh bien, bravo à toi. Oh, joli! Bon, on va les faire copuler ces deux-là. Allez hop! Crac crac avec Chantal. Allez Malcolm, c'est parti. J'avais bien aimé la première fois. Oh. Adieu. Allez, fais tes longueurs, toi. Qu'il ait la barre d'énergie tout en bas, on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Chier. Voilà, bon. Ah, les enfants sont rentrés. Alors, on va pouvoir s'occuper d'eux. Je vous Mon mets petit aussi la loup. je mets aussi la chaîne de Loupi hein, si vous n'êtes pas abonné aussi. Il faut y aller. Enfin, si vous. Non, vous n'avez pas le choix, Les pauvres. je Abonnez-vous, biatch! rigole. Ah, la violence. Regardez la télé, toi. Alors, par contre, il y a Juliette qui dit, Elantia, c'est quoi ton nom sur SSO? N'est pas sur Star Stable. Je ne suis pas sur Star Stable, je suis désolée. Est sur les Sims. Voilà, c'est tout. Oh là Oh! Oh bah bravo, on veut pas savoir. C'est d'un chic. Bravo. Malcolm, va manger. Ça sert à rien, Malcolm. Bon, et elle, quand est-ce qu'elle pond? Quand est-ce qu'elle nous fait son chiard? Oh, ben on n'est pas prêt d'y arriver, hein. Le troisième trimestre dans 21 heures. Attends de Ben. trouver. Hop, d'ailleurs, est-ce que les gosses. B, ils ont tous B. Donc oui, Lola, il y aura une rediffusion donc sur la chaîne de Lupina. Oui, mais il n'y aura pas le chat parce que j'ai oublié de le filmer. Oui, mais oui, la rediffusion sera là, donc sur la chaîne de Lupina. C'est pour ça il faut s'abonner pour pas louper. La meuf, tu sais. Abonnez-vous, je rentre.
Ah, il y a Juliette qui dit mince, car je suis abonnée à une pote à Lupina et je ne savais pas si c'était toi. Eh Alors, ben non, c'était pas moi! tu parles de April Turtle Land? Non, c'est pas Elantia. C'est Maki, du coup. Maki, elle est souvent dans les vidéos mises à jour. Voilà, on sent. C'est l'instant pub. Loupi, elle a trop de potes, c'est pour ça, vous confondez. D'ailleurs, Maki, des fois, elle est dans le chat, mais elle était trop fatiguée. Pour la petite histoire. Non, elle était au resto. Attends, je sais pas. Bref, on s'en fout, je vais pas raconter la vie de Maki. Au resto avec deux ailes au cul, voilà. Lancia, c'est pas Je suis possible. désolée si elle a un mec. Non, je crois pas. La meuf qui connaît ses amis. Il y a Lula qui dit prends le prénancy mode Lupina. C'est quoi ça? Quoi? Ah, il Avril. y a Juliette qui dit oui, c'est Avril, j'aime beaucoup ses vidéos. April. Elle fait des trucs trop beaux en même temps. Comme moi, quoi. Elle s'est montée, elle. Et j'ai une idée, on va faire prendre une potion. Ah bah non, c'est parce qu'elle est enceinte, c'est pour ça. On va faire prendre une potion de jeunesse à Chantal quand elle aura fini de quand elle aura pondu son chiard. Bonne idée avant qu'elle devienne trop vieille. Ouais. Et ensuite, est-ce qu'on lui trouve une un prédécesseur ou une prédécesseuse? Bah, ça peut être trop tôt, non? Non, mais oui, mais après. Ah ouais, peut-être, ouais. Dites-nous dans les commentaires. Bon, on n'est pas tout de suite, hein, mais. Tout de suite, je C'est rigole. pas pour tout de suite, mais. Bon, ils font leur devoir, eux. Sale gosse. Oui, c'est bon. Comme ils sont trop mignons, ces trois-là. Ah. Il regarde la télé sagement. Ah, mais faut qu'ils aient quatre. Ah. Et oui. On va danser, toi aussi. Et il y aura des A demain, je pense. Cool. Donc on va pouvoir les mettre à dos. Éreintés. Ah, Lola, elle dit que le mode pregnancy, c'est pour aller plus vite dans les trucs enceintes. Ah, ouais, mais c'est un peu de la triche. Ouais, un peu. Enfin, la triche. Pour ce T'imagines challenge, hein. pour le 100 bébés challenge. Oh putain, 100 bébés par jour, allez, hop là! Ouf, ouf, ouf. Alors, qu'est-ce qu'il y Il y a Juliette qui dit, deux ailes au cul a de la concurrence avec le bide de Chantal. Allez, je lance les paris, à votre avis, qui va avoir le plus gros bide? J'ai deux ailes au cul ou Chantal? non. Je propose qu'on aille comparer. Attends, faudrait l'inviter. Mais Chantal, elle a pas les brûlés dans le dos. Oh putain, en plus, elle veut Oh. lui parler. Elle veut l'embrasser langoureusement. Ah, mais il s'appelle Gaston. Qui? Il s'appelle Gaston. Qui? Mais j'ai deux ailes au cul. Non, il s'appelle Gaston. The Gaston, j'ai deux ailes au cul. Y a Lola qui dit Paul ressemble à Robin des Bois. Ah ouais? Je trouve que c'est le plus moche des gosses qu'on a, mais bon. Pauvre gamin. Ouh, mais ça c'est dit. Oh, Get out the way. bon, est-ce que c'est bon? Bah toi, demain, t'auras B, normalement. Il y a coin coin en fait, son chat lui a griffé vers l'œil. Ouais. Bon, il arrive, les deux ailes au cul. Je l'ai pas invité. On veut comparer les bides. Attends, faut attendre qu'elle soit au troisième trimestre déjà. Voilà. Sac en papier. Tout le monde essaye de conclure des affaires dans ce parc. Le sac en papier derrière la poubelle n'est donc probablement pas rempli de sandwich. C'est peut-être un piège, cela dit. Malcolm peut voler le sac ou le laisser. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Paul ou
S. Mathieu. Allez, dites-nous. À votre avis, arnaque ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on le vole ou est-ce qu'on le laisse? Sinon, on va le voler, on verra bien. Que fait-on? On peut le voler, toi? Ouais, Il faut j'aurais dû. attendre avec la foutue, le foutu décalage là. Oh, il reste 30 minutes, les enfants. Allez, on se décide. Sinon, tu le voles, hein. On va le voler. Allez. Alors, on dirait que Malcolm a fait le bon choix. Il récupère un bon paquet de cimes sonnant et trébuchant. 50. Ouais. Enfin bon, c'est rien du tout par rapport à Eh, c'est mieux que rien. nous. Alors, Juliette dit, Lola, on... Quoi? C'est ta merde. Super! What? Non, parce qu'il y a Lola qui, tu sais, qui a fait caca dans son legging. The fuck? Vous êtes Et Lola, elle disait, chelou. arnaque! Eh ben non, c'était pas une arnaque. Voilà. Vous êtes chelou. Parler de caca là. Est-ce que nous on est en train de parler de caca? Je sais On pas où parle c'est. de bide, de grâce. Beaucoup mieux. Alors, allez, au lit, Chantal. Le petit. Là. Là. Au école. Danse, hein. Ah. Dance, dance. Ah, mais faut qu'il danse avec Wisconsin au niveau 4. Dans une Ça va mieux, coin compétence. coin? Oh, pauvre coin-coin. J'espère que ça va aller. Ouais, j'espère aussi. C'est au niveau 4 dans leurs compétences. Ah, toi, c'est bon. Arrête de danser. Va manger et va te coucher. Viens danser. La musique. Viens danser. Oh, le sunlight est Oh, tropique. putain. Dieu. On se raconte en musique. Nanana, hey, hey. Mon Dieu. Allez, les petits. Au vent. Aïe, aïe, voilà. Chantal, c'est le nom de la personne qui me fait acheter mon iPhone. Lol. D'accord. Bah fais gaffe. Elle cache son jeu, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ton chat coin-coin te griffe comme ça soudainement? Mais il a fait une grosse marque sur le visage et tout. Ouais, le visage, le bras, mais il a pas dû s'exciter tout seul le chat. Enfin, je sais pas. Griffe, il y a une raison. Oh là là! Tout est Qu'est-ce cassé là-dedans. encore? Faut encore appeler Carglass. Ah, oh, mais ça me saoule, ouais. Allez, zou. Ah non, hein. Me refaites pas le coup du monstre. Va te coucher, toi. Non, sérieux? Je sais pas, il s'est levé là. Pourquoi? Trop peur pour dormir dans son lit.
Non! Vas-y, va mettre du pipi, toi. Dépêche-toi. Allez, on rappelle Monsieur Propre. Mais c'est saoulant. Faut appeler Monsieur Propre dans le chat. Invoquer Monsieur Propre. Monsieur Propre! Avec une émoticône de Monsieur Propre. Faut trouver. Voilà, on va dire c'est lui, Monsieur Propre. Hop. Y a Ren là qui fait une tête de pervers. Qu'est-ce que t'as, Reine? Il regarde le monstre sous le lit. À ce prix, les tentacules, alors ça m'intéresse. Ça l'excite. Oh là là, allez dormir, sérieux! Chiant! Dormir! Mais j'ai dit dormir, pas faire une sieste, bande de débiles! Ah! Sale gosse! Non mais faites des gosses, hein. Faites des gosses! Toi, va réparer ça. Et d'un chien. Ah, c'est parce que Coin Coin a engueulé son chat. Car il embête la chatte et du coup il a attaqué. Allez, faut pas se mêler des affaires des chats parce que ça peut se retourner contre nous. Ah, il y a Lola qui a bugué. Est-ce que ça va mieux, Lola? Demande-lui peut-être par écrit. Ouais. On en est où du bébé là? Troisième trimestre dans 9 heures. Bon, on n'est pas prêt d'avoir le gosse. On a le temps, hein? Des jumeaux, des jumeaux. Ah non, putain, non, on pourra pas. Sauf si Geoffrey meurt avant, mais il a pas l'air décidé à mourir, ce con. Ah, évanouissement dans. Regardez, ça décompte. Oh. Il va bientôt mourir. Bientôt mourir. Crève, crève, crève. Horrible. Ça y est, il est en train de mourir. Ça y est! Ah, c'est tellement glauque quand le corps Monsieur Viagra flotte. est mort! Monsieur Viagra. Par contre, le corps qui flotte, c'est horrible. Ah! Dieu. Ah non, mais c'est relou là! Vas-y, va te coucher, mon pauvre Malcolm. Les chiottes sont pétées, le lavabo est pété, laisse tomber. Putain, ça n'arrête pas, quoi! Non mais c'est relou. Bon. Chantal, qu'est-ce que tu vas faire, ma vieille? Un petit boutique? Je peux même pas aller enceinte. Nul. Bon. Alors. Et si on relookait Chantal? Pourquoi pas? Belle tenue. Hop. À toi. On va peut-être attendre que Geoffrey. Ah bah c'est bon, Geoffrey. Geoffrey, oui. Ah. Oh! Et. Sympa pour les gens qui n'avaient pas vu. Oh! Désolée si vous regardez Game of Thrones. Ça dit, c'est la saison 3, donc vous devez être au courant. Pourquoi il est triste, lui? Ah bah oui! Ah oui, bah oui, son père. Y a Lola qui dit elle veut faire un pudding. C'est-à-dire? Tiens, bah, et non, je sais, va t'occuper de ta fille, ma petite. Voilà. Oh, Rassure et la tout qui vie. coule partout. Oui. Les toilettes, l'évier. Laisse tomber, quoi. On va être inondés, les gens, là. Va t'occuper de ta petite amour. Quand même, ce sont tes enfants, il faut en prendre. Effet. Où est-ce qu'elle va? D'accord, vous allez dehors pour discuter, vous. Ah bah non, elle va à l'école. Pas des amis à l'école. Allez, tout le monde se lève là, tout le monde va à l'école, tout le monde se dépêche. Zouzou! Bah du coup, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Ah bah danse. Quand on sait pas quoi faire, danse. Ah, la pierre tombe. Ah, gnang, 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 gnang. Et, ouais. Hop là. Tadam. On va venir faire une petite photo de Malcolm après. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout.
Voilà, bon. Normalement, il devrait peut-être y avoir des A cette fois-ci. T'inquiète, coin coin, si t'as désaffecté, tu vas pas perdre ton œil, hein. Alors, devoir inachevé. Quand Lila arrive en cours, elle se rend compte qu'elle doit rendre son devoir aujourd'hui, le devoir qu'elle était censée commencer il y a des semaines. Elle observe la pile de devoirs se transformer sur le bureau de son instituteur. Il faudrait juste quelques minutes avec une de ses copies, celle de recopier le devoir d'un autre élève ou avoue-t-elle la vérité? Alors, elle triche ou pas? Elle triche ou elle avoue? Oups, j'ai tapé dans le micro, je suis désolée. Et Lola qui dit un pudding au chocolat. Mais qu'est-ce qu'elle a avec ses puddings, Je celle-là? sais pas. Tu me donnes faim. J'avoue. On triche ou on triche pas? On triche ou pas? Bah attends, on va leur écrire comme ça, on n'attendra pas trois plombes. Bah écris-leur peut-être le truc. Ouais. Genre si pour les... On dit on triche ou on triche pas et à l'écrit, ils vont Attends, pas mais je comprendre. vois, j'écris quoi? Attends. Je sais pas. Je Le temps qu'on trouve quoi écrire, c'est ça, on aurait répondu. Comment ça s'appelle? Un petit défi? C'est pas un défi ce truc-là? Attends. Plus comment ils appelaient ça dans les précédents. Voilà. Inachevé dans des enfants. Voilà. En bref. Oui, non, mais c'est très bien. Bon, et ben on triche. Bon, moi je Alors. vais manger, donc je re dans quelques minutes. Ok, bon appétit. L'instituteur de Lila est occupé à écrire au tableau, glissant la copie haut de la pile sous son t-shirt. Lila demande à. Malheureusement, elle est suivie par le propriétaire de la copie. Demande son déjeuner en échange de son silence. Gain de performance. Lol. La meuf, elle a triché, elle a perdu son goûter. Ah si, j'ai appuyé l'enclenche là pour lui dire ça. Bon. Quelqu'un de ma famille qui a perdu son œil avec son chat. Ah oui, mais c'est très joyeux, coin coin. Ah, t'es trop. Oui, mais c'est bon, t'as désinfecté, ça va pas se. C'est en toi. Ça en est où? Ça en est où? On a tué Nancy, on a tué Geoffrey et on porte son bébé et on a croisé le Sims d'Edouard G2L au cul, je ne sais pas si tu te souviens. Ah! Une nouvelle opportunité. Volontariat, je sais même pas écrire ce truc. Bravo. Voilà, j'écris, c'est moi. Donc, je lis pendant ce temps-là. En cours de musique, le professeur demande un volontaire. Il regarde Paul, mais ce dernier. Paul. Paul. F. Mais ce dernier voit bien que l'élève à côté de lui meurt d'envie d'aller sur scène. Paul doit-il saisir cette opportunité ou envoyer l'autre élève? Alors, vous me dites quoi? Saisir l'opportunité. Et bah, c'est parti. Paul se met devant l'instituteur et lui tend les cymbales. Crash, bang, il fait tellement de bruit qu'il ne remarque pas que l'instituteur le crie d'arrêter. C'est le directeur qui sépare les cymbales. Oups. Perte de performance. Le massacre. Le massacre. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Pendant ce temps-là, ma petite chanteuse. Et je trouve que du coup, quand c'est trop vite quand il n'y a plus les enfants. Je pèle des lèvres, je sais pas si ça vous arrive, mais c'est très chiant. Voilà, c'était la petite anecdote intéressante du live. Lol. Alors, on en est où? Oh là là, il est pas prêt d'avoir son A, lui, hein. Ah, elle, elle va l'avoir. Elle, elle va pouvoir grandir, les enfants. Et elle, elle va passer en B. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Malcolm, mon petit chéri. Venir dans la cave avec ta femme. Enfin, c'est pas du tout sa femme, mais c'est pas grave.
Et on va prendre une photo de toi. Oh my god, j'ai des... Hésite tous les deux. On va au restaurant avec Malcolm. Mais on va pas passer notre vie au restaurant. Oh, c'est pas possible. Alors, prendre une photo de... Mais je veux prendre Malcolm. Voilà. Allez, Malcolm, au lieu de faire le petit... Ah, bah il est beau. Il est classe. Hop, voilà. Donc, Malcolm sera la prochaine urne. Ajoute un. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, toi, tu es fatigué, tu vas aller faire une petite sieste. Pas mal. Faire une petite sieste. Malcolm. Va aller manger un truc et tu vas faire chier un passant. Bon, on verra quand on aura fini de manger. Prends une photo de lui à poil. Mais c'est pas possible, Lola. Pôle Nord. Ah. C'est nul. Ah, ça t'arrive aussi très souvent, les lèvres qui... Il reste 15 minutes au live, j'espère qu'elle va voir son enfant, l'autre Dudu. Père Glauque. Je pense que tu voulais dire Glauque, je sais pas. Oui, c'est un petit peu glauque ce challenge. D'ailleurs, si vous voulez le refaire, je dirais à Elantia de vous envoyer les règles. Bernard, si je les retrouve. Lol. Lol. Je pense que je vais jamais les retrouver. Que j'ai fait? Ok, je sais pas. J'ai fait du caca. Alors. Faut que je trouve. Il faut que je retrouve le... Ah, voilà. Si vous voulez refaire ce challenge chez vous en privé ou en let's play ou en... Mais avec les règles, elles sont là, n'est-ce pas? Alors, Malcolm, un petit pissou et on va aller embêter les gens, n'est-ce pas? Tiens, 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 toi là, viens ici. Joaquin le chien là. Le chien, viens ici. Le chien au pied! Au pied le chien! Parti. Bon bah tant pis. Le chien n'est pas très obéissant. Ah bah il y a Vladimir Gothic là, c'est parti. C'est parfait. Allez, vas-y, Malcolm. Malcolm, ça me fait trop penser à une série des années 80. Kaloo, Jifa. Vous connaissez, ça passe toujours sur M6. Hein. Bref. Bah, je sais pas. Alors, Malice, partager la théorie du complot, mentir sur la carrière. Oh, est-ce qu'on peut l'inviter à une fausse bonne, une fausse soirée? Je peux faire ça. Inviter à une fausse soirée, je trouve ça tellement horrible. En même temps, trop drôle. Créer une confiance. Oh non, pourquoi il est triste? Oh, on s'en fout en fait. Oh, c'est une rumeur. Vladimir, reviens ici, on n'a pas fini avec toi. Oh! Une nargue en plus. Ici! Il y en a qui ont eu des A là. Il y en a qui ont eu des A, je le sens, je le sais. Oui! Aliena a eu un A! Youpi! Lino aussi, trop bien! Cool, ça c'est parfait ça. Donc ça veut dire que toi tu vas faire... C'est le week-end, donc on va relax. Tu vas faire tes devoirs, toi aussi ma petite. Non, pas Lino. N'importe quoi, Lino il va grandir. Toi tu vas faire... Les deux petits blonds, vous faites vos devoirs et les deux autres, vous ne les faites pas. Voilà. Toi tu vas nous faire un gâteau. Un bon gâteau hamburger. Hop. Allez. C'est parti. Ce serait tellement bien que tu aies ton bébé juste avant la fin du live. Ce serait parfait. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Du coup, regarde un petit peu.
Parfait cette série, je regarde très. Oui, Malcolm, c'est cool. Je ne vais pas me joindre à vous avant. Coucou Phoebe, il n'y a pas de souci. J'espère que tu vas bien. Alors, pour la prochaine urne. Oui, la photo pour la prochaine urne. Le sadique qui va bien. Aïe, aïe, aïe. Alors, Paul, tu auras fini tes devoirs, tu iras manger, tu iras te doucher, parce que là, c'est. Pas du tout. Toi, tu vas manger et te doucher et faire pipi, ce serait pas mal. Hop. Aliena, c'est parfait. Elle prend un bain. Toi, t'es toujours là, d'accord. Tu vas peut-être prendre un bain aussi. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être que j'achète des douches. Hop. Du coup, est-ce que c'est bon, le gâteau est prêt? Oui, le gâteau est prêt. Peux-tu rajouter des jougies, s'il te plaît? Des bougies. Alors, je vais bien. Je regarderai le replay. Il n'y a pas de souci. Il sera mis en ligne demain, du coup, vu que. Enfin, cette nuit. Le temps que ça charge, etc. Comme d'habitude. Ça me gratte le nez. Qui veut m'embrasser? Rudolf, c'est toi qui veux m'embrasser? Il a dit carrément, si vous. Je vous le dis. Reviens là aussi. Allez, arrête de te baigner. Du coup. Quoi, le petit? Alors, dites-moi les traits d'Aliena. Et une inspiration. Hop, dans le chat. J'ai raconté une blague à un Parisien, mais il a Paris. Oh là là, c'est nul. Oh, il a Paris. Lola, va te coucher, s'il te plaît. C'est nul. C'est nul. Bon, si vous me dites pas, je mets un truc au pif, hein. Bon, au pire, on va mettre un truc au pif. Alors, toi, tu vas vouloir être un génie de la musique. Voilà. Je sais pas. Et puis. Vais bâiller. Et puis. Eh ben, elle est pas mal, elle est plutôt jolie, la demoiselle. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'aime bien. Bon. Du coup, tu vas venir ici, ma jolie, et tu vas faire tes devoirs. Toi, tu remets des bougies. Hop. Et le gamin, il fait un vœu aussi. Alors, il est glouton. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Coucou petit oiseau. Pas du tout qui tu es, mais bienvenue. Je crois que c'est Birdie. Ah, oui, en fait, Little Bird. Pas grave. Alors, je sais pas ce qu'il pourrait être, lui. C'est le fils de qui déjà? Je sais même plus. Je ne sais plus. On va faire un truc genre riche ou je sais plus quoi. C'est où? Incroyablement riche. Et matérialiste. Voilà, c'est magnifique. Oh, il est beau. Ah, t'es trop beau. Pardon, je trouve qu'il est beau. Voilà, au cas où j'aurais pas remarqué. La meuf qui arrête pas de beugler. Ah, il est trop beau. Non, mais je trouve qu'il. Non, je trouve.
Qu'est-ce que vous pensez de nos adultes, de nos ados, pardon? Tu es en train de tout rater. Re, j'ai raté quoi? Enfin, t'as tout raté. Mais quoi, il s'est passé quoi? Eh ben, il y a deux enfants qui ont eu un A. Cool. Donc, ils sont ados. Oh, d'accord. Geoffrey est mort, ça, je sais pas si t'avais vu. Non. Et ben voilà. Tout Ah, raté. mais c'est qui lui? Le chevelu, c'est Lino. D'accord. Et la petite noire, c'est Aliena, du coup. Trop mignon. Et j'espère Alors, que du coup, il y a je. des nouveaux sur le chat. Il y a Petit Oiseau. Oui, je sais, j'ai lu pendant que Ah, t'étais mais pas c'est là. Birdie, coucou. Ah oui, c'est mardi. Et il y a Phoebe. Salut Phoebe, ça fait longtemps, tiens. Bonsoir Claudie, merci. Salut Claudie, merci. Bienvenue. Bienvenue. Et du coup, j'espère qu'elle va réussir à pondre son gosse là. Oh! On va faire pipi vite. Et elle a grossi du bide. Ah ouais, non mais grave, hein. Elle a un C'est moment. ça. Est-ce que t'as comparé le bide avec des chutes Non. selfie? J'ai pas comparé. Relola. Alors, du coup, ils sont en week-end, donc ça, on est tranquille. On est tranquille. Trop beau le gâteau hamburger. Ouais. T'as pas, toi? Bah, je l'ai pas vu. Ah, c'est peut-être avec la version de luxe. Pas sûr. Coucou Phoebe. Bon, bah, au moins, l'avantage, c'est que les ados, ils vont plus me faire chier avec le monstre du lit. Ah ouais? Bah, je pense, oui. Ah bah oui, les ados, oui. Mais il y a encore un gosse là. Oui, il y en a encore deux même. Bientôt il y en aura un troisième. Est-ce que t'as péchoté Malcolm? Malcolm, on l'a déjà pécho. Non, mais le petit jeune. Ah oui, d'accord. Okay. Je sais plus, il y a trop de trucs. Un de Il y a ses trop de fils, vas-y. pichotage. Bon, Malcolm, viens nettoyer ça parce que ça va quelque chose. Hop. Oh non, la pauvre, elle s'est fait tuer. Oh Oh non. non, Chantal. Chantal. Va prendre. Oh, c'est parce que. La peau. Hop! Bon, je crois que le live va bientôt finir, malheureusement. Alors, si jamais. Si jamais elle n'a pas eu son enfant, est-ce que prolonge un petit peu le temps qu'elle ait son enfant ou pas? Dites-nous. Dis-moi aussi, Elan, ça si tu peux. Bon, je sais pas, hein. Peu importe, je sais pas. Ah, Par rapport à tes parents, tout ça. mais moi je peux prolonger, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu veux dire? Ah oui, non, moi je veux bien prolonger, moi il n'y a pas de souci. Ok. Il regarde le foot, donc tranquille. Parfait. Ça arrange bien. Dites-nous si vous voulez qu'on continue un petit peu plus ou qu'on arrête là. Enfin, là, c'est pas tout de suite l'heure, mais. 58. Minutes. Dites-nous si vous en avez marre de nous ou pas. Par contre, ils sont crevés, les pauvres gosses. Bon, allez, tu vas manger. Et toi, cocotte, va manger et Juliette regarde. dit oui. Et bah, c'est parfait. Bah, si elle a pas son gosse à 20, à 22h, on poursuivra le live jusqu'à ce qu'elle ait son enfant. Et par contre, du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live puisque je retourne à l'hôpital pour ceux qui ont un peu de voir. Et la semaine d'après, risque de pas y en avoir non plus parce que j'ai des gens chez moi. Et la semaine suivante, je suis pas là. La meuf jamais là. Et bref, je pense que le prochain live sera en août. Voilà. Août, milieu août, même, je pense. Août 2018. Août 2018, oui, c'est cela. Exactement. Non, mais du coup, Il voilà. part en vacances pendant 2 ans là. Imagine le Ouais. truc. Alors ils veulent qu'on dure là encore jusqu'à 23 h et tout. Peut-être pas jusqu'à 23h, mais on peut durer un peu, il n'y a pas de problème. Bon, alors, ça mange, ça c'est tranquille. Toi, petit louloute, pardon.
Va regarder la chaîne parce que ça va pas du tout. Heureusement que c'est le week-end parce que là ils sont tous pas bien. Rien ne va là. Rien ne va, c'est ça. Je t'ai dit de manger ton gâteau, cocotte. Et de regarder la chaîne. Le beat qu'elle a, mais c'est ouf là. Elle va exploser. Ça. Exploser. Par contre, c'est Juliette qui dit que ta santé passe en premier avec un cœur. Oh, c'est mignon. C'est même pas pour la santé. Oh bah tiens, il s'est évanoui, il a eu le cul en l'air lui. Et c'est pas vraiment pour la santé là, c'est pour plus des trucs administratifs. On s'en fout. Hop. Toi, petit loup, c'est. Toi, tu vas aller dormir dès que t'as fini. Et... Pas pareil, tu vas aller dormir. Hop. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas encore le monstre, hein, parce que ça va bien 5 minutes. Allez, il va falloir appeler Monsieur Propre. Ça va bien 5 minutes toutes ces conneries. Bon, on va retirer toutes les assiettes sales qui sont partout. Mais va faire pipi, Goliath. Culiotte. Mais oui, mais elle est bête. Elle se dandine au lieu d'y aller. Ah, Malcolm est parti travailler. Parfait. Bon, ensuite, tu iras au lit et... Ah bon. Mais non, tu vas pas au lit. Tu préfères t'étaler comme un caca sur le sol. Oh, c'est Sims. C'est pas possible. Ah, il n'y a pas eu de monstre. Pas l'air d'avoir de monstre. Allez, Zou, va au lit. Espèce de trottinette. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tout va bien. Rue sauvage. Ré. Ouais, c'est un gros vent. Va me faire des câlins. Le méchant. Vilain. Alors, Malcolm va faire pipi. Et tu peux passer, tu sais. Tu peux allumer la lumière. D'accord, elle veut juste rester derrière. Ça veut dire, Loupi, finis ton live, j'ai envie de parler avec mes copains. Oh, un peu quand même. Bon, on est tranquille. Non, mais pas dans le sens, ses copains sont chiants. C'est aussi mes potes, donc. Bon, alors, le gosse. Oh non! Tu vas pas recommencer! What? Le monstre! Non! Mais les loupiottes, ça marche pas, hein. Ah non, c'est parce qu'il est triste, parce qu'il a pas d'amis, donc il va aller pleurer dans son lit. Allez, go! Pauvre gosse. Il va pleurer dans ton lit. Voilà. T'as pas de potes. Il va manger. Très bien. Ah bah sa sœur est levée, vous allez pouvoir discuter là. Hop. Sœur. Aussi, il va manger un truc. Et vous allez discuter ensemble. Voilà. Elle y va pas cette truffe. Ça m'énerve. Bon, pas ce que je dis. Ils écoutent pas. Ils écoutent pas. Ils écoutent rien. Alors, bah, vous allez discuter, les enfants. Voyez, amis. Je sais, on va acheter le truc des créatures, là. What? Pour les gosses. Je retrouve. Je sais pas du tout dans quoi ça... Il y a Juliette qui dit « Apprenez les insultes de maternelle avec Lupina. » C'est ça. Espèce de caca-boudin. Aussi, elle sort des expressions assez originales aussi, des fois. Voilà. Tellement je dis de conneries, je sais plus. On se move le groove. Ah bah c'est bien ça. Ça mange pas. Une fois aussi, elle a sorti une expression avec le big deal. Hein. Chose qui n'avait aucun rapport. Oh putain.
Il a d'avoir une carte créature du vide. Et comment on fait? Ah, faut acheter des cartes sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. Oh. Paquet. Carte. Et bah vas-y. Voilà. Ah oui, c'est trop bien ça. On dirait qu'il joue à Pokémon. Ouais, c'est trop ça. Alors, avec Pokémon. Paul. Voilà, vous êtes pris tous les deux et vous n'allez pas nous enquiquiner. Ah, Germaine est levée. Aliena. Aliena est debout, donc tu vas manger. Et j'espère que l'eau, elle va bientôt pondre. Faire quand même. C'est un moment, hein. Grave. Alors, prenez. Périmé. Toi aussi, tu vas prendre une lapin. Tu vas discuter avec ta soeur, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux bien y aller, trou du cul? Oh! Oufion. Ah, mais ça m'énerve quand ils m'écoutent pas comme ça. Et Juliette qui dit attrapez-les tous, Pokémon. Alors, Sauf qu'elle voilà. dit attrapez-les tous, Simon. Ok. Ouais, je sais pas The pourquoi. North Sneak. C'est pas grave. Pour attraper tous les Simons. Ok. Papa. Alors, voilà, comment ça se passe? Pas drôle avec la soeur. Bref. Ah, l'autre, elle est debout. Là. C'est fait. Ah, mais il n'y a pas de poubelle à l'intérieur. Ah, si. Hop, il attend de faire à manger. Il n'y a plus rien à manger. Allons. Allez, les feignasses, fais ta bouffée là. Violent. Ce move le goop. Et elle est encore à poil. Non, elle est pas à poil. En porte-jartel. Mental? Ouais. Non. Je suis en décalé. Ah oui, non, elle est plus là. Habillée quand même, un peu d'essence. Ah d'ailleurs. À faire pitié. En tout cas, merci aux 9 personnes qui sont là. N'hésitez pas à parler avec nous sur le chat, à Ah, nous 9 raconter des personnes. conneries. Oui. Merci à vous. Ça fait plaisir. Zizir. Vous Ouais, n'avez pas dit aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Elle va accoucher, cette morue. Accouchement dans. jamais. Jamais. Faut écrire accouche grosse morue dans La violence. Il faut écrire ça, sinon elle va pas accoucher en fait. Attends, le Voilà. petit Malcolm, il est tendu. On va le détendre, tu vas voir. Il va détendre. Elle n'a pas été aux toilettes alors que je lui ai dit d'aller aux toilettes. Ah. Cette maison est buggée. D'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on déménage? Sérieux? Grosse Oui, Oui, tu peux raconter des blagues, Lola. vas-y. Ouais, y a Phoebe qui me suit. Et Phoebe. Oh là, ils ont pété le lit, là. Pardon. Sérieux? Oui, vas-y, Lola, on attend tes blagues. Je les lirai. Vas-y. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous voulez pour le prochain live, du coup, bon, pas tout de suite, vous l'aurez compris, mais est-ce que vous voulez que je déménage hors caméra, hein, et que je fasse une maison à tout ce petit monde, ou est-ce qu'on reste dans cette maison? Dites-moi tout. Par décalé évidemment. Voilà. Et je prendrai en considération vos avis. Voilà. Il y a Juliette qui me suit.
Couche grosse souris. Ça y est, ça a marché! Tu vois? Ça a marché! Elle couche! Mais vous voyez, ça a marché! N'importe quoi! Comme quoi ça marche! Quoi. On va y aller avec G2L au cul! Et il y a Phoebe qui dit j'ai raconté des blagues dans un magasin, elle a pas super marché. Oh putain, c'est nul. Ouais, tout à l'heure, il y a Lola qui a dit quand t'étais partie, j'ai raconté une blague à un Parisien, mais il a pas ri. Oh, bouh. Voilà, voilà. Les blagues nulles. Les blagues nulles du live de Lupina. Alors du coup, j'ai la réponse à votre question. Donc oui, elle a un ventre plus rond que celui de G2L au cul. Sérieux ? Oui. Bah, juste lui rouler une pelle avant d'aller accoucher, quand même. Voilà, on va le draguiller un petit peu. Oh, de la meuf. Non, mais j'accouche, mais c'est pas grave. Voilà, je suis maintenant sur le troisième, ça va passer tout seul. J'ai dit putain. Aïe aïe. Allez, c'est bon, on peut aller accoucher maintenant. Oh, le bite est là. Ah, on l'a déjà eu, je crois, cette blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais. C'est plus... Et Lilou qui propose de déménager. Le roulage de pelle. Ça y est, elle va accoucher. Fille ou garçon, faites vos paris. Allez. Attends. Alors, fille ou garçon, dites-nous tout. Ressemblera-t-elle à Malcolm? Plutôt l'écrire dans non. Non, à l'autre papy, à le Geoffrey. Enfin, ou le garçon de Geoffrey. Oui, et non, moi. Alors, ça dit fille. On a une fille pour le moment. Moi, je pense que ce sera un garçon. Et toi, Elantia? Fille, allez. Je vais dire l'inverse. Bébé dit garçon. Vera. Qui s'appellerait Douis. Ok. D'accord. Oui. Douis comme dans Malcolm. Un garçon, je l'appelle Douis. Bah oui, évidemment. Alors, eh ben, c'est une fille. Ouais. Trans, oh Juliette. Ce n'est pas gentil. Prénom fille, moi. Alors, oui. Dites-nous prénom fille. Non mais Elantia, faut l'écrire parce que du coup avec le décalage, ouais. Ça nous. Eh, c'est pas mal. Ok, je l'appelle. Oh la pauvre gamine. À fouche grosse Maury, voilà. Le ton est né. Gamine. Bon, on l'appelle Maury ou pas alors? Bah c'est bon, je l'ai appelé Maury. Bon bah c'est Maury. Ok. Oh, du coup, on va pouvoir rentrer. Je vais juste faire boire. Bah non, on va rentrer. On va rentrer à la maison là, si elle veut bien rentrer. Elle a grossi. Il faut écrire. Je vais écrire dans le chat. Welcome Moru. Oui. Welcome Moru. Avec des cœurs. Voilà. Message de Ruru. Mais là, il trop tard, elle s'appelle Moru. Attends, il n'y a pas de morue, il n'y a pas un poisson. Oh, gosse. Le prochain garçon, ce sera Ton. Ah oh, putain, il y a plein de fantômes, là. C'est la fête du fantôme. Alors, bah du coup, vu que la petite Moru... Attends, j'attends que ça arrive, là. Moi aussi, j'attends, là. Non, Lola, ta blague, je sais pas. Ah, Juliette, elle me welcome, Maury. Pauvre gosse. Elle est où, d'ailleurs? Ah, putain, elle est au sous-sol avec les urnes, s'il te plaît. Oh, non. Hashtag glauque. Pauvre gosse. On va la mettre dans la chambre de maman. Quand même. Bon. Même. Bon, bah voilà. Bah voilà, elle est née, la petite Maury, hein. Bah vu que la petite est née, on va pouvoir se laisser là.
J'espère que le live vous aura plu. Ah, il y a Lola qui dit Ah oui, c'est oui. quoi la ta Oui, blague? alors du coup, c'est quoi la réponse? La réponse de qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Oh là, je sais même plus écrire quoi, moi. Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Je sens que c'est un truc trop nul en plus. On va même pas rire. Un Un citron truc pressé. jaune, un petit pois. On vient de dire Non. un citron pressé. Voilà, Ah, c'est nul. tu perds. Tout ça pour ça. Et là, on met un petit smiley. Il n'y a pas un smiley qui se fait une face palme. Attends, je cherche. Il y a trop de smiley, c'est ouf. Ah, Ah, j'ai le maman. pouce. Ah oui, Je vais si. mettre ça. Si, je l'ai trouvé le face palm. Bon, allez. Bon, bah, on va vous laisser, les enfants. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça Oui, nous fait merci à vous. plaisir. Je vais mettre la chaîne de Lupina une dernière fois. Et la Hop, tienne. ouais, voilà la mienne. N'oubliez pas qu'à 100 abonnés, Elancia nous fait une vidéo où elle nous fait Oh, entièrement une tarte aux fraises avec ses petites mines. et toi, Et tu fais quoi pour tes 300, pour mes 300? hein? Ouais. Moi, je fais ce que je veux, ce que vous voulez. Ouh. Enfin, presque, hein. Non, je sais pas, je sais pas. J'ai fait une FAQ pour mes 200, donc pour les 300, je sais pas. Bêtise, voilà. Non, je vais pas faire un street. Ça s'arrange pas, toi. Enfin, bref. Pourquoi ça clignote là-bas? Ah, d'accord, faut, il y a des murs, des tulipes. Il y a des tulipes dans les cils. Ah bon? Apparemment, oui. Les meufs qui se... Bah sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé et salut! Salut, à bientôt!